Bien, bonjour, bonjour à tous et à toutes. S'il vous plaît, on va commencer, on va bientôt commencer. Donc déjà, merci à tous d'être venus aussi nombreux. Ça fait extrêmement plaisir, surtout pour des sujets aussi intéressants et importants. On espère que vous allez être très attentifs pendant cette conférence qui a le mérite d'aborder des sujets qu'on n'aborde pas forcément souvent et qui sont pourtant peut-être parmi les plus importants de notre siècle. Pour rappeler brièvement, ces journées s'inscrivent dans des journées qu'on a appelées les journées ingénieurs citoyens, qui sont à destination des premières années, qui sont inscrites dans le programme. Et le but est simple, c'est de former les ingénieurs, les futurs ingénieurs que nous sommes, à être des ingénieurs citoyens. Des ingénieurs citoyens, c'est-à-dire des ingénieurs qui sont capables de comprendre et de prendre des décisions plutôt avec pas mal de recul, avec éthique, avec cohérence, au service d'un projet de société et de l'intérêt commun. Voilà, donc dans ce cadre-là, Monsieur Keller nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui pour nous parler des limites et vulnérabilités des sociétés industrielles. Donc je vais le laisser se présenter et je pense que vous pouvez l'applaudir très fort pour cette conférence. Donc, merci à lui d'être venu. Et voilà. Arrêtez, je vais y prendre goût. Merci d'être tous venus ici aujourd'hui. Et je sais que certains d'entre vous sortent d'ateliers qui ont déjà porté sur un certain nombre de sujets que je vais balayer maintenant. Je vais me présenter brièvement et puis je vais aussi vous dire une chose, c'est que les choses qu'on va voir là, dans les deux heures qui viennent, pour un certain nombre d'entre elles, ne seront pas totalement alignées, voire vont être en contradiction avec d'autres choses que vous allez très certainement entendre dans votre cursus. Voilà. Moi, je trouve que c'est très très bien, d'ailleurs aussi, qu'on permette à quelqu'un comme moi de venir parler dans une école comme la vôtre. Ça montre également qu'il y a une ouverture à d'autres façons peut-être de voir, de caractériser ou d'approcher certaines problématiques. Mais en tout cas, vous allez avoir un travail de tri à faire. Je convaincrai peut-être pas tout le monde ici aujourd'hui de ce que je vais dire. Je ne convainc jamais 100% des gens. Mais parmi ceux que je vais convaincre, vous aurez effectivement donc des choix à opérer ensuite en tant que personne, en tant que professionnel aussi derrière. Alors je me présente brièvement, je m'appelle Arthur Keller et je suis ingénieur de formation, enfin ça c'était il y a bien longtemps. Aujourd'hui je suis un expert, c'était écrit là, des limites et des vulnérabilités des sociétés industrielles. On peut dire ça également, je suis un expert des risques systémiques. Et derrière ça, des stratégies de résilience que l'on peut mettre en place pour justement se préparer à ces risques. Et j'ai une autre spécialité qui n'a rien à voir. Il se trouve que c'est une autre vie professionnelle que j'avais en parallèle de la précédente. Pendant quelques années, j'ai été scénariste. Et aujourd'hui, je me suis spécialisé également. Du coup, j'ai essayé de joindre les deux compétences. Aujourd'hui, je me spécialise également sur l'usage des récits comme des outils de transformation. Donc ça fait intervenir pas mal de notions qu'on va, pour certaines, balayer. Évidemment, je ne vais pas pouvoir aller dans le fond de chaque détail. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit peu de faire un état des lieux assez général, assez générique de la situation dans laquelle nous nous trouvons, collectivement, et derrière, de voir ce qu'on peut faire. Et on va parler de choses pas drôles. Donc je vous préviens également sur le fait que la première partie, la première grosse moitié, en fait, peut-être les deux tiers même de mon intervention, ne vont pas être rigolos. Ça va être un mauvais moment à passer, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, j'imagine. Mais restez jusqu'au bout, parce que dans la dernière partie, on va avoir des perspectives éventuellement qu'on peut ouvrir de choses concrètes qu'on pourrait faire, sachant que je n'ai pas non plus une boîte à solutions en vous disant voilà ce qu'il faut faire exactement, c'est comme ça. Déjà, ce n'est pas la bonne approche, une approche très technocratique, top-down, ce n'est pas mon genre. Je pense que et accessoirement, les solutions vont dépendre de vous, de vos problèmes concrets et de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, on va voir aujourd'hui, je vais vous donner un certain nombre de fondamentaux sur ce qu'on peut faire face à ce que je vais décrire dans un premier temps. Et ce sera à vous ensuite de croiser cette expertise que je partage avec vous avec la vôtre. Donc on va parler de choses pas drôles. On va même dire un mot, je vais mettre les pieds dans le plat tout de suite, on va même prononcer un mot qui est le mot d'effondrement. Ce n'est pas la seule chose dont je vais parler, mais on va en parler. Et forcément, quand on parle d'effondrement, ben voilà. Voilà tout de suite le genre de choses qui vient à l'idée des gens, à l'esprit des gens. En tout cas des visions assez caricaturales de l'avenir, et on va essayer de dépasser ça. On va essayer aujourd'hui justement d'injecter un petit peu de subtilité, de nuance, et peut-être de retourner un petit peu le stéréotype pour voir dans quelle mesure il s'applique ou pas. Il y a une autre caricature qui est souvent faite,
qui n'est pas forcément sur le sujet lui-même, mais sur les gens qui le portent. Des gens comme moi, typiquement. Donc, il est très facile de considérer quelqu'un qui va vous parler d'effondrement comme un hurluberlu. Voilà, bon, forcément, c'est quelqu'un qui est pessimiste, quelqu'un qui est défaitiste, quelqu'un qui est peut-être un idéologue même. Bon, bah, je vous laisserai juger en votre âme et conscience. En tout cas, moi, je vous fais une espèce de promesse. Je vais essayer de ne pas déclencher chez vous de panique irrationnelle. Mon but, c'est d'essayer d'aborder ces questions de la manière la plus rigoureuse possible. Et dans toute la première partie, je ne vous donnerai à absolument aucun moment mon avis personnel. L'avis personnel, on s'en moque. On s'en moque totalement, en réalité. On a étudié certaines choses, on les a comprises ou pas. Et ce n'est pas ce dont on va parler maintenant, ce ne sont pas des choses qui relèvent de l'intuition, de l'opinion personnelle. Donc je vous encourage aussi à vous méfier de votre propre intuition. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont contre-intuitives dans ce qu'on va voir. Et l'intuition, elle ne sert pas à grand-chose. Des fois, elle est utile. Si vous avez une forte intuition, testez-la. Testez-la, c'est-à-dire étudiez pour voir si votre intuition tient la route ou pas. Essayez de l'invalider. Et plutôt que le contraire, plutôt que d'essayer de la conforter. Parce que la réalité, c'est que quelle que soit votre intuition, vous allez trouver tout ce qu'il faut dans la littérature pour la conforter. Il suffit de bien chercher. Donc essayez plutôt d'invalider vos intuitions. Et si elles tiennent la route, si elles résistent au test, alors vous tenez peut-être quelque chose. En tout cas, c'est comme ça que j'essaie de procéder. C'est une démarche, on va dire, entre guillemets, scientifique. Et donc voilà. Avant de commencer, on va définir un certain nombre de mots, parce que ce sont des termes importants et... Il y a des gens qui les utilisent de manière très différente, donc on va définir tous ces mots-là. Et d'abord, on va parler d'effondrement. Donc. Mais c'est quoi un effondrement ? Un effondrement, c'est un processus, déjà. Ce n'est pas un événement. Ce n'est pas « est-ce que l'événement aura lieu mardi prochain ?» Ça n'a aucun sens. C'est pas voilà. Donc l'effondrement, c'est un processus qui est global en réalité, avec évidemment plein de choses qui sont très disparates en fonction des lieux où on se trouve, mais en moyenne globale, je vais rentrer plus dans le détail après, hein. Mais grosso modo, l'effondrement, c'est un processus à l'issue duquel les besoins essentiels de la population, manger, boire, se déplacer, l'énergie, des choses comme ça, la sécurité physique également des gens, ces besoins-là ne sont plus assurés par des services encadrés par la loi. Ça, c'est la définition qu'avait donnée Yves Cochet. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que raconte Yves Cochet, mais en l'occurrence, j'aime bien cette définition. La mienne, et je vous la donne aussi, c'est un processus à l'issue duquel on bascule plus ou moins graduellement, dans l'ordre ou dans le chaos, on bascule d'une situation d'hétéronomie à une situation d'autonomie. Contrainte si on ne l'a pas préparée. L'hétéronomie, c'est quoi ? C'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Nous sommes tous hétéronomes. Nous dépendons pour notre survie quotidienne d'un certain nombre de systèmes, de systèmes macrotechniques, des lois également, des technologies, des chaînes d'approvisionnement, en permanence, sans lesquelles on ne peut plus vivre, on ne sait plus vivre. Donc on est entièrement dépendant, et donc vulnérable. Il faut aussi se dire ça un petit peu à un moment, parce qu'on se croit volontiers, on est volontiers dans le triomphalisme, on croit que ce monde n'a jamais été aussi évolué, et du coup, que les besoins élémentaires, bon, on n'en est plus là. On n'en est plus à se préoccuper de ça aujourd'hui. Ça, c'est fait, c'est acquis. On va voir ça ensemble. En fait, il n'y a pas forcément un effondrement, il y a peut-être des effondrements. Mais si on utilise ça au pluriel, ce n'est pas tout à fait la même définition. Il y a un effondrement généralisé dont on va parler, mais ça n'a aucun sens, parce que chacun d'entre vous, là où il est, va vivre des choses radicalement différentes, à des moments différents, selon des géométries et des dynamiques totalement différentes. En réalité, pour chacun d'entre vous, l'avenir sera différent. Et il peut y avoir un effondrement local, mais ça, c'est radicalement différent de l'effondrement dont certains parlent. Donc, des effondrements localisés, c'est des choses où vraiment, on est typiquement sur trois points saillants immédiatement. On se confronte à des questions d'alimentation, à des questions de maladie, à des questions de conflit. Voilà, ce sont les trois choses, c'est ça qui définit comment on vit un effondrement sur le moment. Mais ça peut bien se passer, comme mal se passer. Parce que oui, des effondrements peuvent bien se passer. Tout est relatif, évidemment. Mais je veux dire, par là, on peut ne pas tous crever sous prétexte qu'il y a eu un effondrement. Donc on va voir ça aussi par la suite. Collapsologie, qui a entendu ce mot-là parmi vous ? Déjà ? Alors, qui n'a pas entendu ? Moite-moite, à peu près, je dirais. Bon, ok, à peu de choses près.
C'est un terme qui commence à monter un petit peu dans certains médias aujourd'hui. C'est un terme qui a été créé en 2015 par deux auteurs, Raphaël Stevens et Pablo Servigne. La collapsologie, bon, c'est grosso modo, c'est l'étude de l'effondrement. Je schématise beaucoup cette définition. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens, effectivement, se disent collapsologues sous prétexte qu'ils parlent d'effondrement. Je ne suis pas collapsologue. Voilà, je vous le dis tout de suite, ne me résumez pas à ça. Parce qu'il y a, à mes yeux, un problème avec la collapsologie, qui est donc un mot qui a été créé, que certains reprennent volontiers pour décrire tout ce qui se rapporte à des risques d'effondrement. Pour autant, la collapsologie n'est pas une discipline. Et ce n'est pas parce qu'il y a logie à la fin que c'est une science. Et pas plus en réalité que la numérologie. Ce n'est pas une science. Il n'y a pas de cadre méthodologique aujourd'hui dans la collapsologie. Donc n'importe qui peut s'amuser à raconter n'importe quoi sur les réseaux sociaux et dire « moi je suis collapsologue ». Et c'est la raison pour laquelle je ne veux pas personnellement être appelé ainsi, parce que je considère que globalement, les gens aujourd'hui qui parlent des sujets dont je parle et qui se disent pour la plupart collapsologues, pas tous, le font très mal, soit parce qu'ils ne maîtrisent pas complètement le sujet, soit parce qu'ils le maîtrisent, mais ils ne maîtrisent pas la communication sur le sujet, et les effets de leur communication sont 9 fois sur 10, à mes yeux, très délétères. Donc il s'agit aussi de réfléchir à comment on aborde ces questions, et en ce qui me concerne, comment j'en parle. Ensuite, on va parler de soutenabilité, ou de durabilité, j'aurais pu mettre un mot ou l'autre, hein, pour moi c'est la même chose. Et donc derrière, on va parler de tout ce qui est développement durable. En fait, il y a deux acceptions du mot durable. Mais ça, on ne vous en parle pas. Pourtant, une simple recherche sur Google ou Ecosia ou d'autres moteurs de recherche vous permettra de vérifier qu'il y a bien deux acceptions au mot durable. Il y a ce qu'on appelle la durabilité forte et la durabilité faible. Et ce que l'on vous cache, d'ailleurs certaines... Bon, ce qu'on vous cache, c'est que les gens dans les institutions, dans les élites, dans les entreprises, qui utilisent le mot durable à toutes les sauces, économie durable, développement durable, blablabla, durable, ouvert aussi, hein, économie, croissance verte. Les gens qui utilisent ces mots-là le font, sciemment ou pas, dans une acception qui est la durabilité faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la durabilité compatible avec l'école néoclassique en économie. Alors l'économie, aujourd'hui, majoritairement, est dominée par une certaine école de pensée, qui est l'école dite néoclassique, et qui est présente dans la plupart des grandes institutions, des grands États, mais également du monde du commerce et du monde des entreprises au niveau mondial. L'économie néoclassique a un certain nombre d'hypothèses. Et parmi ces hypothèses, je ne vais pas toutes les passer en revue, mais il y en a une qui m'intéresse particulièrement, une hypothèse qui est la substituabilité des capitaux. Et elle dit quoi, cette substituabilité? Elle dit qu'il y a différents types de capitaux et qu'ils sont interchangeables. Alors, à la base, au XVIIe, XVIIIe siècle, il y avait effectivement typiquement deux types de capitaux qui étaient pris en compte par les économistes, qui étaient le capital humain et puis les outils de travail. Et donc on disait, ben, s'il n'y a pas assez d'hommes, c'est pas grave, on les remplacera par des machines. On trouvera une machine qui fait pareil. Et puis s'il n'y a pas assez de machines, on trouvera des hommes qui font pareil. Alors déjà, c'est extrêmement simpliste comme vision du monde, mais bon, jusqu'à un certain point, on peut comprendre que ça pouvait tenir la route. Le problème, voyez-vous, c'est qu'aucun de ces modèles n'intègre les ressources naturelles et les limites des ressources naturelles. Aucun. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais aujourd'hui, dans les grands modèles macroéconomiques qui sont utilisés dans nos institutions, dans nos États, dans les programmes politiques que vous proposent les candidats à une élection présidentielle, tous ces programmes utilisent des modèles économiques et macroéconomiques qui ne prennent pas en compte les ressources. Et donc, si l'on reprend la substituabilité des formes de capitaux, mais cette fois-ci en intégrant les ressources, parce que j'espère quand même que vous avez compris qu'il n'y a pas d'économie sans ressources, on utilise des ressources, j'y reviendrai un petit peu après, mais, et on dépend entièrement de ce flux de ressources entrant. Donc, si on intègre les ressources et leurs limites dans les modèles, ça donne quoi? Ça donne que s'il n'y a plus d'arbres demain, ce n'est pas grave. On trouvera quelque chose qui fait pareil. Et s'il n'y a plus d'eau, pareil. Et s'il n'y a plus d'air, pareil. Bon, voilà. Et c'est à l'évidence idiot. À l'évidence, selon moi, après, vous partagerez ou pas. Et donc, quand on parle en tout cas aujourd'hui de quelque chose durable, c'est ce sens-là de la durabilité. C'est-à-dire que c'est compatible avec les théories néoclassiques. C'est-à-dire que ça ne prend pas en compte les limites des ressources. Et puis, il y a la durabilité forte,
qui a été créé par Herman Daly, un économiste au début des années 90, qui prend en compte dans les modèles les ressources naturelles et leurs limites. Et donc lui, quand il dit que quelque chose est durable, c'est entre guillemets vraiment durable. Alors que quand on parle, vous parle de développement durable, c'est pas durable. Ça ne l'est pas. Et on va voir pourquoi ça ne peut pas l'être. Donc voilà, pour la soutenabilité, je voulais clarifier ça, parce que moi, maintenant, à partir de maintenant, je vais utiliser durable dans le sens durabilité forte, quand je vais utiliser ce mot-là. On va parler de résilience. C'est quoi la résilience? La résilience, ce n'est pas la résilience individuelle. Je vous envoie vers Boris Cyrulnik, si vous voulez savoir ce qu'il appelle la résilience psychologique. Ça va être de la résilience collective et de la résilience systémique, c'est-à-dire face à des dangers systémiques, ceux qu'on va voir maintenant. C'est cette acception-là de la résilience qui m'intéresse. Et la résilience, c'est la capacité d'un système à surmonter un choc systémique, à ne pas s'effondrer totalement et à rester opérationnel, en tout cas fonctionnel. On va parler ensuite de système. Alors, quand moi j'utilise le mot système, et c'est soit je dis le système, là bon, c'est un raccourci pour dire la société dans laquelle on vit. Certains disent qu'on vit dans la civilisation thermo-industrielle. Bon, pourquoi pas? En tout cas, ça signifie quoi? Ça signifie l'ensemble des humains et des sociétés sur cette planète qui dépendent de près ou de loin, directement ou indirectement, du pétrole. Et aujourd'hui, une écrasante majorité de la population terrestre dépend plus ou moins, mais dépend du pétrole. Donc le système, c'est... Quand je dis le système, c'est ça. Et quand on parle d'un système, un système, c'est simplement un nombre d'éléments en interaction les uns avec les autres. On va parler de complexité. Et un système complexe, c'est quoi? C'est un système où il y a beaucoup de types d'éléments différents dans un système. Donc, quand on parle des sociétés, les éléments, c'est aussi bien vous, les individus, que cette école, c'est un élément du système, que, un écosystème ou une entreprise, ce seront des éléments du système. Et puis, il y a des règles d'interaction qui régissent donc les interactions entre les éléments du système. Et plus il y a un grand nombre d'éléments du système, plus ils sont variés, et plus il y a un grand nombre de règles d'interaction elles-mêmes variées entre ces éléments, plus on appelle le système complexe. Et on va parler de complexité et d'analyse et de dynamique des systèmes un petit peu après. Ça, c'était pour clarifier les grands termes, les grandes notions qu'on va utiliser par la suite. Et puis avant de commencer de rentrer dans le dur, je voulais aussi dire ça. Je voulais aussi dire que ce thème, tout à l'heure je disais, c'est facile de dire de quelqu'un qui parle d'effondrement que c'est un hurluberlu. Oui, c'est très tentant, je suis d'accord. Ça attire énormément de monde, ce thème, et pas toujours pour les bonnes raisons. On va avoir beaucoup de mysticismes qui vont s'installer autour de ce thème. Des mysticismes New Age, beaucoup. Tout ce qui est fin du monde, ça plaît énormément dans ces cercles-là, à gauche. Et à droite, il va y avoir d'autres types de dérives qui sont, on pourrait dire, néo-fascistes. Donc là, à droite, vous avez Piero San Giorgio, un auteur qui connaît très bien les sujets dont moi je vous parle, et la première chose que j'ai lue de lui, j'ai fait « Ouais, super !» Ça m'a vraiment intéressé. Puis ensuite, j'ai compris. C'est-à-dire que ce n'est pas tout de comprendre le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait ensuite. Parce que lui, ce qu'il en fait, c'est qu'il dit « Bon, voilà, demain, ça va se casser la gueule, et le premier qui fout le pied sur mon terrain, je lui dégomme les dents avec de la chevrotine. » Grosso modo, je schématise un peu, mais c'est à peu près ça l'idée. On va voir que ce n'est pas une solution. Et je ne dis pas ça parce que ça ne me plaît pas. Je vais vous expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas de réagir comme ça. Et puis au milieu, il y a d'autres choses. Voilà, il y a des gens qui font, en l'occurrence, c'est une ferme en permaculture. Là. Bon, on va en parler un petit peu. Ça fait partie d'un panel de stratégies, de boîtes à outils, je devrais dire plutôt, qui sont utiles pour demain. Mais il ne s'agit pas d'imaginer que la permaculture va sauver le monde. Mais là, tout un panel, en tout cas, de gens qui se définissent plutôt comme des transitionneurs et qui vont peu à peu proposer d'autres façons de produire, de consommer et de vivre. Et on va voir ça également dans ce qui suit. Alors maintenant, je rentre dans le dur. Excusez-moi, je bois un coup. Et on va parler de limites. En 1971, le Club de Rome, qui est un groupe de gens assez importants, assez influents, ont décidé de s'intéresser à l'avenir du monde et de faire appel pour cela au MIT. Ils ont fait appel à une équipe de physiciens qui utilisait un modèle qui avait été développé, qui modélisait le système Terre. Alors autant vous dire effectivement que bon, on ne peut pas modéliser le système Terre, c'est absolument hors d'atteinte. D'ailleurs, les scientifiques en climatologie s'y heurtent bien. On voit bien que les modèles, aussi performants soient-ils, sont encore très loin de la réalité. Alors eux, ils ont fait un truc qui pourrait paraître fou, c'est qu'ils ont pris 6 paramètres, seulement 6 paramètres, et ils ont qui sont ici. Je ne sais pas si vous les voyez.
Vous avez les ressources, vous avez la population qui peut se réduire en les naissances et les morts, vous avez les services par tête, la production industrielle par tête, la production de nourriture par tête et la population. Voilà, donc, et la pollution, pardon. Et la pollution. Voilà, c'était les paramètres qu'ils ont choisis pour modéliser le système Terre. Et ensuite, ils ont rentré dans leur modèle, le modèle qu'ils ont calibré avec les données du passé, des décennies passées. Et une fois que leur modèle avait l'air de bien fonctionner, ils ont rentré différents scénarios dans leur modèle. Ils ont vu ce qui se passait pour le 21e siècle, enfin, entre les années 70 et 2100. Et ce qu'ils ont vu, c'est que parmi les 13 scénarios qu'ils ont imaginés, il y en a 10 qui se terminaient par un effondrement dans la deuxième moitié du XXIe siècle. L'effondrement, c'est quoi ? C'est la courbe de la population qui baisse, et assez rapidement, au niveau mondial, en moyenne mondiale. Ça, c'est ce qu'ils ont regardé. Il y avait 3 scénarios qui permettaient d'éviter ça. Et soit c'était des scénarios un peu magiques, du style « on trouvait une ou plusieurs super technologies qui permettaient de repousser les limites et de les repousser, de les repousser, de les repousser. » Soit on décroissait, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Aujourd'hui, ce qui est intéressant avec ce modèle, c'est que 50 ans plus tard presque, il tient toujours la route. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai, ça ne veut pas dire que la suite de la courbe sera vraie. Tout ce que je dis, c'est que pour l'instant, nous suivons un des scénarios qui avait été prévu par l'équipe Meadows en 71, publié en 72. Ça s'appelait « The Limits to Growth ». Le scénario « Business as usual ». C'est-à-dire on fait rien, on change rien, on fait comme avant. Voilà, on fait comme on a toujours fait. Et aujourd'hui, on est vraiment très, très, très proche de ce qu'ils ont imaginé comme dynamique au niveau mondial. Et donc, on va s'intéresser un petit peu de plus près à ces travaux, parce que ces travaux en dynamique des systèmes consistent à modéliser les différents éléments du système et comment ils interagissent les uns avec les autres. Ce qui est puissant avec la dynamique des systèmes, c'est la chose suivante. C'est que même si on ne connaît pas l'intégralité des éléments qui constituent le système, si on connaît les règles d'interaction entre les éléments, on peut, à long terme, avoir une idée générale relativement précise du comportement du système en entier. Ça s'applique à toutes les formes de système. Ça peut être un écosystème, ça peut être un plasma. On peut modéliser des plasmas en dynamique des systèmes. On est absolument infoutu de savoir quelle va être la trajectoire d'une particule ionisée dans le plasma. Et par contre, le comportement global du plasma soumis à telle ou telle contrainte, on est capable de le modéliser plutôt bien. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Et quand on modélise un système qui a une limite, ça, c'est une... Comment dire ? Dans Limits to Growth, ils ont démontré que si on continuait à s'entêter de vouloir croître, on allait se casser la gueule. Ils ont détruit ça. Mais il y avait quand même une hypothèse de départ qui était qu'il y avait une limite. Sinon, ils n'ont pas démontré qu'il y avait une limite. Ils ont pris comme hypothèse de départ qu'il y avait une limite. Donc, que se passe-t-il quand un système croît ? Soit il n'y a pas de limite, ou soit on est capable de la repousser, de la repousser, de la repousser éternellement, et dans le cas en haut à gauche, et là, rien n'empêche de continuer de croître. Alors là, les deux courbes, c'est quoi ? D'un côté, la courbe en dur, c'est l'empreinte écologique, et la courbe en pointillé, c'est la biocapacité. L'empreinte écologique, ça va être l'impact. Je schématise, c'est l'impact qu'on a sur cette planète. Il est grosso modo de 3 catégories. Ça va être les ressources qu'on utilise, ça va être les pollutions et les déchets qu'on rejette, et ça va être les dégradations que l'on crée, que l'on cause. Et la biocapacité, c'est quoi ? C'est la capacité du système à fournir et à régénérer et renouveler les ressources qu'on lui prend, à gérer et absorber les pollutions qu'on rejette dedans et à réparer les dégradations qu'on lui cause. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc, que se passe-t-il lorsque l'empreinte écologique augmente et qu'il y a une limite ? Donc, premier cas en haut à gauche, on est capable de repousser la limite éternellement. On peut croître éternellement. Et jusqu'ici, on a beaucoup repoussé la limite, force est de reconnaître. Mais aujourd'hui, on touche justement, et ça, j'y viens juste après, on touche à certaines limites qu'on n'est pas capable de repousser. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on continue à croître et qu'on va atteindre comme ça cette limite ? La seule manière de faire en sorte que le système puisse se stabiliser, c'est en haut à droite, d'aller de tendre vers ce qu'on appelle une croissance sigmoïde. C'est-à-dire on continue de croître, mais moins vite. Il faudrait donc rentrer dans des politiques pour pouvoir faire ça, pas de récession, mais en tout cas des politiques de ralentissement économique à marche forcée. Et là,
si on fait ça, parce que je vais ensuite établir le lien entre économie et impact écologique, c'est pas encore très clair ça, mais je vais y revenir. Et là, évidemment, on n'est pas en train de faire ça. Et bon, on pourrait imaginer effectivement qu'on pourrait croître comme ça et tendre asymptotiquement vers une limite qu'on n'atteindrait jamais. Le problème, voyez-vous, c'est que ça fait maintenant très longtemps qu'on l'a dépassé, cette limite. Donc on n'est pas ni dans le cas en haut à gauche, ni dans le cas en haut à droite. La limite, on l'a dépassée. L'empreinte écologique, si vous voulez, il y a des gens qui ont mis au point l'indicateur empreinte écologique, l'indicateur biocapacité, et qui le calculent chaque année pour les différentes nations. Ces gens-là, bon, c'est des conventions de calcul qu'on peut discuter. Hein, ce n'est pas un chiffre précis, il y a des conventions derrière. Pour autant, c'est quelque chose qui est très solide scientifiquement sur l'évaluation. Donc les ordres de grandeur sont corrects. Et donc les gens qui calculent cette empreinte écologique et cette biocapacité, c'est le Global Footprint Network aux États-Unis, avec celui qui a créé ça, qui s'appelle Mathis Wackernagel. Et ces gens-là disent que, ben, d'après leurs calculs, on a dépassé... Enfin, l'empreinte écologique a dépassé la biocapacité au début des années 70. Et depuis, on est en déficit écologique, c'est-à-dire qu'on prend plus que ce que la planète peut redonner, qu'on détruit plus que ce que la planète peut réparer, et qu'on génère plus de pollution que ce que la planète peut absorber. Et ça s'accumule, et ça s'accumule, et ça s'accumule. Et ça se dégrade, et ça se dégrade, et ça se dégrade. Depuis une cinquantaine d'années bientôt. Donc, la courbe noire est au-dessus de la courbe en pointillé. Ce qui est possible uniquement... transitoirement. Ce qui est possible tant qu'on a du surplus, qu'on va rogner. Hein, si vous voulez, si vous gagnez 2000 euros par mois, vous pouvez tout à fait vivre en dépensant 3000, si vous avez de l'épargne. Et puis chaque mois, vous allez rogner dans votre épargne, vous allez prendre 1000. Et là, c'est possible, jusqu'à ce que tant que vous avez de l'épargne. Au moment où vous avez pris les derniers centimes dans votre épargne, vous devez impérativement caler votre train de vie sur ce que vous gagnez, sur le flux entrant. Le flux sortant et le flux entrant doivent s'égaliser. Et même si c'est très simpliste comme métaphore, on est dans cette situation-là. La courbe noire ne peut pas rester au-dessus de la courbe en pointillé. C'est de la dynamique des systèmes, ce n'est pas idéologique, ce n'est pas un point de vue ou une opinion. C'est comme ça que réagit un système dynamique. Donc la courbe noire va repasser sous la courbe en pointillé. Et la question c'est, est-ce qu'on le fait vite, en bas à gauche ? Est-ce que très vite, on repasse en dessous de la courbe en pointillé et à ce moment-là, le système peut s'équilibrer autour d'une position d'équilibre. Il peut se mettre en oscillation. Et on peut éviter tout effondrement. Ou est-ce qu'on ne le fait pas? Ou est-ce qu'on ne fait pas cette politique de décroissance matérielle et énergétique forte qu'il faudrait qu'on ait? Si on ne le fait pas, on est dans le cas en bas à droite. Ben, ce qui se passe, c'est que si on continue à croître et qu'on veut à tout prix aller de toujours plus haut, toujours plus vite, alors qu'on a dépassé depuis longtemps la limite, la biocapacité commence à s'effriter. Les dégradations environnementales s'aggravent, les pollutions s'accumulent à un tel point que ça étouffe tout, et ben, on arrive à des limites en termes de ressources disponibles également. Et là, ben, ça redescend aussi, puisque ça redescend forcément. Le système se recale comme ça, mais ça descend d'une manière totalement chaotique, qu'on ne peut pas gérer, beaucoup trop rapide, et la courbe noire doit redescendre sous une courbe en pointillé qui, elle-même, a beaucoup descendu entre-temps. Donc, tout l'enjeu, c'est à quel point on arrive aujourd'hui à décroître. Bon, moi, je ne suis pas un décroissant, si vous voulez. J'imagine qu'il y en a certains qui se disent dans cette salle, c'est le mec qui va nous vendre sa sauce parce que c'est un décroissant. C'est une idéologie comme une autre, ou alors c'est un projet politique comme un autre. Moi, je ne suis pas un décroissant, moi. Moi, je fais de l'analyse des systèmes. L'analyse des systèmes m'amène à la conclusion que la décroissance, elle est déjà là, qu'on n'y coupera pas, et que soit on l'accepte, on l'anticipe, on la prépare, on peut gérer la raréfaction matérielle et énergétique qui a déjà commencé, soit on ne le fait pas, et on va la subir dans le chaos. Aujourd'hui, le monde, il a cette tête-là. Si on regarde cette étude de Will Stephen et compagnie, et d'autres personnes autour de lui dont les noms m'échappent, qui s'appelle la grande accélération, The Great Acceleration, on voit qu'il y a un certain nombre de courbes dans ce monde qui partent dans des formes qui ressemblent à des exponentielles. À gauche, par exemple, on va avoir l'usage de l'eau, la production de papier, la production
le PIB, on va avoir l'énergie primaire utilisée, etc. Et puis à droite, ça va être les impacts sur la planète, sur le monde naturel. On va avoir le dioxyde de carbone, l'oxyde nitreux, le méthane. On va avoir la dégradation de la biosphère terrestre, la perte de forêts tropicales. Voilà, par exemple, entre autres choses. Donc on est bien dans le cas d'un système qui augmente, où il y a une limite qu'on a déjà dépassée. Je ne vois pas aujourd'hui qui pourrait, en ayant toutes les données en main, qui pourrait prétendre qu'on est ailleurs que dans le cas numéro 4. Et donc qu'est-ce qu'on fait pour gérer cette courbe ? Soit on accepte ça, on le comprend et on l'anticipe, et là, on va y venir aussi, vous avez un rôle à jouer en tant que futurs ingénieurs. Soit on se croit invincible, vers l'infini et au-delà, et on va se prendre des limites dans les dents de façon chaotique. Je termine avec les limites pour dire que le Stockholm Resilience Center a publié une étude qui s'appelle le Planetary Boundaries. Ils ont les limites planétaires. Ils ont identifié un certain nombre de limites à ne pas dépasser sous peine de sortir d'une zone de stabilité pour l'espèce humaine sur Terre. Voilà. Mais aujourd'hui, on a allègrement franchi 4 de ces limites. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, sur ce graphe-là que j'ai trouvé, ils ont mis le changement climatique qui est ici, là, tout en haut, ils l'ont mis dans une zone d'incertitude. Le vert, c'est tout va bien. Enfin, c'est bon, on est encore en dessous de la limite, c'est gérable. Le jaune, c'est on ne sait pas trop. Et le rouge, c'est, alors là, c'est clair, on est dans une situation de dégradation rapide. Bon, et il se trouve que, vous voyez le dérèglement climatique dont on parle beaucoup, pour eux, c'est seulement la zone d'incertitude. Par contre, ici, la perte de diversité biologique, et on est vraiment dans le rouge, et également ici, sur les cycles biogéochimiques, notamment le cycle de l'azote et du phosphore. Alors, mon point de vue, là pour le coup c'est un point de vue personnel, excusez-moi, mon point de vue c'est qu'il serait temps d'inverser la charge de la preuve. Ce que je veux dire par là, c'est que, certes, les gens comme moi doivent démontrer ce qu'ils avancent, pour autant, c'est pas que à nous de démontrer ce qu'on en avance. C'est également à tous ceux qui nous entraînent, politiquement notamment, vers un monde qui fonctionne sur le principe que il n'y a pas de limite, ou qu'il n'y a pas de limite qu'on ne saurait repousser, ou qu'il n'y a pas de problème dont on ne saurait s'affranchir parce que bon, on est tellement géniaux avec notre technologie. C'est peut-être à ces gens-là de démontrer ce qu'ils disent, avant d'entraîner toutes les sociétés derrière eux dans des politiques un peu bizarres. On va voir pourquoi elles sont bizarres. Je vais quand même poursuivre avant cela une caractérisation systémique de la problématique. On va aller vite, là. Caractérisation systémique en balayant toutes les dimensions du monde naturel. Et le monde naturel, il se découpe en 6 sphères. Sphères entre guillemets, vous allez voir. La première sphère, c'est ça, c'est là. Voilà. Ah oui, tiens. Ah, un petit bug. Formidable. Ah, voilà. C'est bon ? Ok. Première sphère, c'est la lithosphère. C'est le manteau rigide de la planète. On en retire un certain nombre de ressources qu'on utilise, dont nos sociétés ont, telles qu'elles sont construites aujourd'hui, ont impérativement besoin pour fonctionner. En premier lieu, il y a le pétrole. Avec le pétrole, il y a plein de problèmes potentiels, mais il y a un gros problème qui est ce qu'on appelle le taux de retour énergétique. Certains vous parlent de pic pétrolier. Ils disent « Ah, il n'y aura plus de pétrole bientôt. » Et d'autres disent « Foutaise, du pétrole, il y en aura toujours. » Bon, les seconds ont raison, du pétrole, il y en aura toujours. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que la dernière goutte de pétrole, on ne l'aura jamais. Parce que ça se sera cassé la gueule bien avant. Nos sociétés n'ont pas besoin de pétrole pour fonctionner. Elles ont besoin pour fonctionner d'un flux continuel de pétrole abondant dans une gamme de prix donnée, ni trop cher, sinon les gens ne peuvent pas acheter, ni trop bon marché, sinon l'industrie s'effondre. Voilà ce dont on a besoin, en permanence. Surtout un pays comme la France qui produit de moins de 0,5% du pétrole qu'elle consomme. Pourtant, toutes nos activités dépendent des transports. Même quand vous êtes chez vous tranquillou à lire un bouquin, ben oui, ben le bouquin, il a bien fallu le produire. Enfin, tout dépend de transport à un moment ou à un autre. Il y a des choses qui sont allées d'un point A à un point B. Et
Presque tous les transports dépendent du pétrole. En France, c'est à peu près 94% des transports qui dépendent du pétrole. Au niveau mondial, c'est 97 ou 18% du transport qui dépendent des pétroles. Et donc, on a un problème de taux de retour énergétique. Le problème, voilà, ici, j'ai mis EROI, excusez-moi, j'ai mis l'anglicisme. C'est Energy Return on Energy Invested, c'est la même chose. En fait, ça veut dire quoi? Ce qui compte, ce n'est pas le nombre de barils qu'on est capable de sortir de la planète, de la Terre, de la lithosphère. Aujourd'hui, si on regarde les données de production, effectivement, la quantité de barils est à peu près stable depuis 2006-2007. Alors, ça oscille, un plateau oscillant, mais c'est à peu près stable. Je prends là-dedans l'ensemble des pétroles conventionnels et non conventionnels. Mais ce n'est pas le nombre de barils qui sort qu'il faudrait regarder. C'est le nombre de barils qu'il nous reste, une fois qu'on a déduit de ça, le nombre de barils qu'on a dû investir pour aller le chercher. Et il se trouve qu'à mesure que les puits historiques de brut qui sortaient du sol relativement facilement se sont épuisés et qu'on est allé chercher des pétroles de plus en plus difficiles à aller chercher et de plus en plus difficiles ensuite à traiter chimiquement pour pouvoir en faire quelque chose d'utilisable, donc des sables bitumineux, des huiles de roche-mer, etc., ou des pétroles offshore, hein, des gisements offshore, à mesure qu'on est allé chercher des choses plus difficiles, il a fallu injecter beaucoup plus de barils en entrée dans le système énergétique pour pouvoir en ressortir le même nombre de barils. Donc au final, pour les sociétés, il en reste moins. Accessoirement, la densité énergétique d'un baril n'est pas la même selon qu'il s'agit d'un baril de pétrole qui vient de Gawar au Proche-Orient ou d'un baril de pétrole qui vient d'un sable bitumineux en Alberta. Il y a beaucoup moins d'énergie contenue dans un baril de sable bitumineux. Donc au final, le nombre de barils est à peu près constant, mais l'énergie dont disposent les sociétés pour fonctionner est en baisse. On a un peu compensé ça par le fait que notre efficacité énergétique s'améliore, un petit peu, c'est pas non plus magique, mais au final, qu'est-ce qui se passe? Au final, il y a un lien à trouver entre cette diminution de l'énergie dont nos sociétés disposent depuis des décennies, depuis les années 70 en réalité, et les pics de pétrole, et le fait que depuis la même période, l'économie mondiale, la croissance du PIB est en tendance baissière. Je n'ai pas dit que le PIB baissait, je dis que sa croissance baisse, c'est-à-dire qu'il croît de moins en moins vite. On va dire, on n'a qu'à remplacer le pétrole par du charbon, parce qu'on est capable de faire du CTL, du coal to liquid, en charbon liquéfié. Oh, c'est formidable, hein, le charbon liquéfié, ça marche. Ça marche un peu moins bien, mais ça marche. C'est une horreur environnementale, mais ça marche. Voilà. Mais le problème qu'on a avec le charbon, c'est que vraiment, il y a un problème de qualité. La qualité du charbon se dégrade également. Parce qu'il n'y a pas qu'un type de charbon. Il y a de la tourbe, il y a de la houille, il y a de l'anthracite, il y a du lignite, un certain nombre de choses très différentes qui n'ont pas la même densité énergétique. Aujourd'hui, les pétroles, les charbons les plus denses énergétiquement sont en baisse, et les moins denses, il y en a encore. Mais enfin, globalement, là aussi, il y a un problème de taux de retour énergétique sur le charbon. Ensuite, il y a des problèmes de concentration avec un certain nombre de métaux. Des métaux dont certaines terres rares, par exemple, dont on a besoin pour cette fameuse transition énergétique dont on nous parle beaucoup. Pour faire toutes les nouvelles super technologies qu'on nous vend, il faut un maximum d'éléments relativement rares. Ce n'est pas parce, d'ailleurs, parce qu'on appelle terres rares, vous le savez peut-être, ce n'est pas forcément rare. Mais en tout cas, un certain nombre de terres rares sont rares, ou en tout cas sont en voie de raréfaction rapide. On a besoin de ces choses-là pour continuer à faire fonctionner notre électronique et nos super technos. Aujourd'hui, on touche des limites au niveau de la capacité d'extraction d'un certain nombre de matériaux et on rouvre des mines qui avaient été fermées il y a 20, 30, 40 ans parce qu'elles étaient considérées comme taries. Et aujourd'hui, les technologies aidant, on est capable d'aller tirer quelques grammes utiles de matériaux dans quelques tonnes de roches. Et donc, on a rouvert ces mines. Mais vraiment, la quantité de matériaux bruts, de roches qu'il faut bouger pour arriver à retirer un tout petit peu de choses utiles, aujourd'hui, c'est assez terrifiant. On a un problème de sable. Évidemment, vous allez penser que le Sahara est très grand, et vous aurez raison, mais là, je parle de sable de construction pour les infrastructures, pour les routes. Nous avons besoin de sable qui tient. Hein. Il se trouve que le sable de désert, il ne tient pas. Le sable qui tient, qui fait que le ciment tient, eh bien, c'est du sable marin, essentiellement, et puis certaines carrières également. Donc, ce sable-là, eh bien, il se trouve qu'on commence à en manquer un peu partout dans le monde, et qu'il y a des mafias du sable qui ont commencé à sévir un peu partout dans le monde. Qu'on a des mafias qui volent des plages, qui volent des littoraux entiers, des côtes entières de sable, la nuit, enfin, des gens, voilà, bon, c'est quand même assez incroyable. Je vous encourage à vous renseigner là-dessus, je n'invente rien. Et puis enfin, mais je pourrais dire encore plein d'autres choses, mais je vais décider de vous parler aussi du phosphore. On atteint peut-être une limite sur le phosphore. Je dis peut-être parce qu'il y a un débat sur la question.
Mais il se trouve que parmi les meilleurs spécialistes de la question, il y en a quand même plusieurs qui pensent que le pic de phosphore sera atteint dans les années 30 ou 40. Et ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que si le pic est atteint, il n'y en aura plus. Ça veut simplement dire que la ressource est contrainte. Or, le phosphore, c'est l'énergie de la cellule. C'est l'énergie de l'ADN, on pourrait même presque dire. Ça fait partie de l'ADN. Adénosine triphosphate. Le phosphore est absolument essentiel à toute forme de vie. Végétale, animale, les champignons, les bactéries. Et il se trouve que, aujourd'hui, d'où on le tire, notre phosphore? De ce qu'on mange. Et ce qu'on mange, ce qui a poussé, le tire d'où, ce phosphore? Du sol. Mais est-ce qu'il y a encore du phosphore dans le sol? Non, il n'y en a plus. Il n'y a plus du tout de phosphore dans le sol. Vous savez pourquoi il n'y a plus de phosphore dans le sol? Parce que ça fait maintenant des décennies et des décennies, plusieurs siècles dans certains endroits, notamment les villes, qu'on mange, et qu'au lieu ensuite de ramener le phosphore vers la terre, on va faire nos déjections ailleurs, souvent à l'eau, aujourd'hui c'est dans l'eau potable, c'est magique, et ça part à l'océan sous forme ionisée, irrécupérable. On est en train de laisser partir une ressource qui est vitale. Et comme le cycle du phosphore n'est pas bouclé, eh ben, on va chercher des phosphates, l'industrie minière, et on va amener artificiellement des engrais NPK sur le sol. Donc la capacité des sols qui ont été cultivés en intensif pendant des décennies, c'est-à-dire la majorité des sols en France, plus de 90% des sols en France, ne peut produire une pâquerette que si on lui amène de l'engrais NPK. Si on arrête ce flux permanent d'engrais, le sol est quasi mort. Quasi mort. La quantité de vers de terre à l'hectare a été divisée par 20 depuis les années 70. Quasi mort. Ensuite, il faut faire revivre les sols. Mais ça prend, dans le meilleur des cas, 5 ans. 10, 15, 20 des fois. Quand c'est possible. Des fois, c'est érosion des sols et désertification. Bon, on n'en est pas là encore en France tout à fait, mais aux Pays-Bas, ils y sont presque, par exemple. Donc, il faut anticiper sur une éventuelle contraction du flux entrant de phosphore. Et pour ça, il faut faire revivre les sols. Et pour ça, il faut reboucler les cycles. Il va falloir s'habituer à ce que nos déjections retournent à la terre. Mais pas directement, hein, je vous rassure. Compostage, centre d'imprégnation, un certain nombre de choses qu'on peut faire pour libérer ces choses-là de tout ce qui peut être pathogène à l'intérieur et renvoyer ça vers la terre. À la campagne, c'est relativement facile. Toilette sèche, idéalement même toilette sèche à séparation d'urine, et puis ensuite, vous remettez ça dans votre potager. Bon, OK. Sauf que ça ne marche pas pour un pays entier, ça. Et à la ville, ça demande quoi? Ça demande une séparation des eaux vannes et des eaux grises. Les eaux vannes, c'est les déjections, les eaux grises, c'est les eaux de lavage. Aujourd'hui, tout est mélangé, tout part à la baille, tout va dans des stations d'épuration qui ne traitent pas, qui ne récupèrent pas ça, et ça part à l'océan, en créant au passage des gros problèmes écologiques dans les rivières. Donc, puisque il faut reboucler les cycles, il va falloir qu'on arrive à récupérer nos déjections, même en ville, pour les renvoyer vers la terre, après passage par des centres, etc., des centres spécifiques de retraitement. Sauf que ça implique de changer l'intégralité des systèmes d'égouts. Ce sont donc des travaux pour les grandes villes de plusieurs milliards qui demandent 20 à 30 ans. Il faudrait s'y mettre. On a 20 à 30 ans devant nous, peut-être, avant qu'il y ait un pic de phosphore. Et personne n'en parle. Hein. Personne n'en parle. Toutes ces choses-là, c'est des problèmes de stock, souvent, mais c'est surtout des problèmes de flux. Est-on capable d'assurer le flux entrant permanent dont nos sociétés ont besoin pour fonctionner? Alors, quelques graphes, là. Voilà, les découvertes de pétrole depuis 1947. Vous voyez la tronche que ça a. Aujourd'hui, si on regarde ce qu'on appelle le taux de remplacement du pétrole, il est de à peu près 16% en 2019. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour chaque pétrole découvert, on en consomme 6. Pour chaque baril de pétrole découvert, on en consomme 6. On consomme 6 fois plus de pétrole que ce qu'on trouve à l'heure actuelle. Pensez-vous toujours qu'il n'y a pas de limite sur le pétrole? Oh, le pic pétrolier, c'est de la foutaise. Il y aura toujours du pétrole. Ben, on verra. Le pétrole fournit un tiers de l'énergie primaire mondiale, j'ai envie de dire seulement, aujourd'hui. Mais il est nécessaire à presque tout le reste. Et je ne parle même pas de notre dépendance au plastique. On a un vrai problème avec le pétrole, il y a un vrai sujet. De manière générale, je vous ai mis ça parce que c'est une jolie machine, ça, c'est un bulldozer typique qu'on trouve dans l'industrie minière. Bon, faut imaginer que le pneu, là, il est plus grand que vous, sauf si vous faites 2,12 m. Mais le pneu, il fait plus de 2 mètres de diamètre. Voilà, c'est relativement gros comme bolide. Si je vous montre ça, c'est pour que vous réalisiez l'ampleur d'une excavatrice à godets. Ça, c'est ce qu'on utilise dans certaines mines à ciel ouvert pour aller chercher
les matériaux. En Allemagne, ils en ont plein des excavatrices à Godec. En Allemagne, il y a une mine qui s'appelle Garzweiler, qui était sur une des anciennes forêts primaires les plus riches d'Europe, aujourd'hui qui a été détruite à 98%, pour aller chercher de la tourbe, je ne sais quoi d'autre. Il y a de la houille, hein, c'est pas de la tourbe, de la houille. Il y a quelques autres minerais. Donc c'est pour vous montrer jusqu'où on est prêt à aller, si vous voulez, pour aller chercher ces précieux minerais dont tout dépend aujourd'hui. On a un étau énergie-matière. D'un côté, le flux énergétique dont on dépend s'est accéléré d'une manière incroyable depuis 200 ans. C'est presque inimaginable quand on regarde les courbes des flux entrant, enfin des flux qui traversent les sociétés, si on regarde une société comme ce qu'on appelle une structure dissipative en thermodynamique, c'est-à-dire on regarde comment ça dissipe l'énergie, l'augmentation du flux est incroyable. Et c'est pareil pour le flux matériel. On est passé de choses qui étaient finalement renouvelables à aujourd'hui un monde qui ne vit que par et pour et grâce au pétrole. D'où les guerres pour le pétrole, évidemment. Hein. C'est extrêmement grave, un pays qui manque de pétrole. Regardez le Venezuela. Le Venezuela manque de pétrole, il s'effondre. Ouais, c'est un peu schématique ce que je raconte. Il s'effondre pour plein de raisons, mais la raison énergétique est très forte. C'est quand même incroyable, ça. C'est le pays qui a les plus grandes réserves de pétrole au monde, le Venezuela, si on met le non-conventionnel en même temps que le conventionnel. Le premier pays. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une question de stock, c'est une question de capacité à assurer le flux. Et après, si on rajoute là-dessus, évidemment, de la corruption et de la dictature, évidemment, ça n'arrange rien. Nous avons un problème entre l'énergie et les matières premières. Nous avons de moins en moins... Enfin, les minerais sont de moins en moins concentrés. Donc, l'extraction des matières premières requiert toujours plus d'énergie. Or, l'énergie est toujours moins accessible. Et la production d'énergie, donc, requiert toujours plus de matières premières. Vous voyez le problème qu'on a ? Le problème, ce n'est pas juste qu'un problème de matériaux ou un problème d'énergie, c'est bien le fait que les deux problèmes s'entraînent l'un l'autre. Et ça, on ne sait pas le gérer. Je vais y revenir, là, encore. J'attire juste votre attention au passage que si on regarde les réserves de pétrole au niveau mondial, on n'a pas grand-chose en Europe et on n'a strictement rien en France. Que si on regarde où sont situés les principaux minerais au niveau mondial, on n'a rien en France. Et si on regarde les métaux, on n'a rien en France. Donc nous sommes entièrement tributaires de la capacité de la France à s'imposer sur le plan diplomatique auprès d'autres pays, en compétition avec des pays émergents, qui veulent aussi avoir leur portion de ces matériaux-là. La deuxième partie du monde naturel, la deuxième sphère, c'est l'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète, océans, mer, lacs, cours d'eau, nappes phréatiques. Et donc, on va regarder un peu dans quel état elle est de cette hydrosphère. On a des pollutions, des déchets. Voilà, donc ça, c'est des déchets macroscopiques qui touchent les hommes. On a des déchets également sur terre et sur mer qui touchent les animaux. Puis, il n'y a pas que ça comme déchets. Il y a des déchets invisibles, il y en a beaucoup. Quand vous buvez de l'eau aujourd'hui, et quelle que soit l'eau, hein, qu'elle sorte du robinet, même d'une source en haute montagne, j'ai envie de vous dire, c'est plus ou moins, évidemment, de l'eau de bouteille, vous buvez ça. D'après une étude de WWF, aujourd'hui, dans les pays comme le nôtre, les pays développés, je crois que l'étude portait sur les États-Unis. Alors, il y a peut-être une petite différence avec la France, mais globalement, je pense que ça reste relativement comparable sur ces choses-là. Si l'on regarde donc aux États-Unis combien les gens ingèrent, sans le savoir, de microplastiques par leur eau, c'est environ 5 grammes par semaine, l'équivalent d'une carte de crédit. Donc vous mangez à peu près 50 cartes de crédit chaque année, juste en buvant votre eau. Il faut le savoir. Nous sommes nous-mêmes un écosystème pollué. Ensuite, il y a l'acidification. Si on regarde ici les coraux, nous avons des coraux qui sont en train de mourir à vitesse grand V. Or, sur les coraux, il y a quand même 25% des espèces animales marines qui sont là au niveau des coraux. Donc, ça a un impact sur la vie marine extrêmement important. On a du réchauffement. Je ne vous fais pas le cours sur le changement climatique. Vous connaissez quand même la thématique. Et aujourd'hui, les océans absorbent 93% du réchauffement additionnel du système climatique terrestre. Ils se réchauffent plus vite que ce qu'avaient anticipé les modèles. Nous avons une montée des eaux qui est de l'ordre de 3,5 mm par an en ce moment. Le dernier rapport du GIEC qui a paru il y a 15 jours à peu près. Le dernier rapport du GIEC nous dit que dans le meilleur des cas, selon eux, c'est 40 cm d'élévation à la fin du siècle des océans, en moyenne mondiale, et que dans le pire des cas, c'est 1,10 m. 1,10 m, c'est beaucoup, hein, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, il faut prendre avec des pincettes ce que raconte le GIEC. Et je vais vous dire pourquoi. Sur la partie purement scientifique, il n'y a rien à redire.
ceux qui remettent en question la qualité des synthèses qui sont publiées par le GIEC, juste remettent en question la science. Voilà, c'est tout. Alors on peut, hein, si vous voulez remettre en question la science, et elle n'est pas parfaite, la science. Il y a plein de problèmes avec la science. Mais globalement, je crois que c'est ce qu'on a de mieux. Donc je dis, les modèles qu'on utilise, la compréhension qu'on a des phénomènes physiques est loin d'être parfaite, mais c'est ce qu'on a de mieux. Donc je ne peux pas critiquer cette partie-là des travaux du GIEC. Par contre, les GIEC ensuite font des projections dans l'avenir, et pour ces projections, ils font des scénarios, des modélisations, qui sont également relativement solides, mais à l'intérieur desquels on injecte quoi ? Des modèles macroéconomiques. Qui sont faits par qui ? Qui sont faits par des économistes qui ont été cooptés par les pays membres qui contribuent au GIEC. Donc des économistes mainstream, néoclassiques, et on injecte à la base, dans l'ADN même de ce qu'on va vous présenter derrière comme projection de l'avenir, le modèle de durabilité faible, dont je vous parlais tout à l'heure. Donc la théorie néoclassique est... Non, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand le GIEC vous donne une fourchette de ce qui va arriver dans l'avenir, d'un certain côté, ils sont vachement pessimistes. Vachement pessimistes parce qu'ils supposent, comme les gens qui ne voient pas les limites du monde, qu'on va pouvoir croître et croître et croître jusqu'à la fin de ce siècle. Et donc dégager des gaz à effet de serre jusqu'à la fin de ce siècle, en veux-tu, en voilà, c'est faux. On en dégagera moins que ce qu'ils disent. Et donc, quelque part, ils sont alarmistes. Malheureusement, d'un autre côté, ils sont très en deçà de la réalité. Parce qu'il y a aussi énormément de choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas modéliser, et donc qui ne sont pas incluses dans les modèles. Typiquement, les boucles de rétroaction positive au niveau du dégazage de méthane, que ce soit par la fonte du pergélisol, ou que ce soit par la fonte des clathrates, ou des hydrates de méthane océaniques, vous pourrez regarder si vous voulez là-dessus, ce sont des choses qui ne sont pas encore prises en compte dans les modèles. Et donc il y a des effets de seuil, il y a des effets boule de neige, il y a des effets d'emballement qui ne sont pas intégrés et qui vont se produire. Donc, d'un côté, plutôt optimiste, de l'autre côté, plutôt pessimiste. Où sera la réalité ? Bien malin celui qui saura le dire. Mais de toute façon, dans tous les cas, ça ne va pas être drôle, parce que même s'ils étaient très pessimistes et même s'il y avait un peu de marge de manœuvre, on a tellement ravagé notre système climatique que ce qui va suivre dans les prochaines décennies sera de toute façon terrible. On commence à en voir les premiers symptômes, mais c'est rien par rapport à ce qui va arriver, puisque ce n'est pas linéaire, mais exponentiel. Salinisation. Là, on a une image d'un lieu au Bangladesh qui s'est salinisé. Avant, on pouvait y faire pousser des choses. Là, c'était des berges d'une rivière. On ne peut plus rien faire, là. Ça s'érode à vitesse grand V. Nous avons de l'assèchement un peu partout dans le monde. Ici, une image du Rhin en juillet 2018. Et puis, des zones mortes. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais ça se multiplie. Depuis 1950, il y a 4 fois plus de zones mortes au niveau mondial, c'est-à-dire des zones anoxiques, sans oxygène, où aucune vie marine ne peut subsister. Voilà. Donc, l'hydrosphère est dans un sacré état de dégradation au niveau mondial. Passons à la troisième dimension du monde naturel, c'est la cryosphère, l'ensemble des glaces de la planète. Donc, que ce soit la banquise, les Inland Seas, comme le Groenland ou l'Antarctique, les glaciers, le permafrost, voilà, tout ça. Alors, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. C'est peut-être un scoop pour certains d'entre vous, mais ça fond. Voilà, je voulais vous le dire, si vous n'étiez pas au courant. En réalité, ça fond et le processus s'accélère. Le dernier rapport du GIEC montre qu'il y a une accélération et que jusqu'ici, les modèles étaient encore en deçà de la réalité parce qu'on ne sait pas bien modéliser les interactions entre la glace et l'eau, entre la glace et la roche. Si on regarde l'évolution du volume de la glace arctique depuis 1900, je ne sais plus quand ça a commencé, 1979, oui, c'est écrit, oui. Bon, voilà, si vous voulez, là, ce sont les différents mois de l'année autour, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre comment ça fonctionne. Voilà, comment ça évolue. Là, on parle du volume, c'est déjà plus intéressant que de parler que de la surface. Parce que souvent, on nous montre des images satellites. Les images satellites, regardez la banquise, là, elle évolue comme ça, là, et on voit que la surface. La surface, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la quantité de glace. Donc, ce qui compte plus que la surface, c'est bien le volume, c'est aussi l'épaisseur. Donc ça présente le volume. Mais même ça, ça ne suffit pas. Parce qu'il faut intégrer la densité de la glace. Et il se trouve qu'à des endroits où, il y a encore 20 ans, la glace était dure comme du roc, aujourd'hui, c'est une espèce de granité, une espèce de truc là, avec plein de bulles d'air à l'intérieur qui s'effritent. La densité de la glace également change. Et donc, c'est aussi pour ça, comme ces choses-là ne sont pas prises en compte dans la plupart des modèles, qu'aujourd'hui, la fonte est beaucoup plus grave que ce qu'on avait anticipé. La quatrième dimension du monde naturel, c'est l'atmosphère, je ne vous la présente plus.
Nous modifions la composition chimique de l'atmosphère si vite que les cycles de l'eau et du carbone, qui sont des cycles essentiels à la vie, sont totalement détraqués. Voilà, vous avez un dérèglement climatique. Le climat sort de la zone de stabilité dans laquelle nous étions depuis 12 à 14 000 ans, qu'on appelle l'Holocène, qui ont permis le développement des civilisations humaines. Et évidemment, je ne compte même pas les pollutions en gaz, en particules, etc. Ensuite, si on regarde un petit peu l'évolution des gaz à effet de serre, la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère depuis le début de notre ère, ça a une jolie courbe exponentielle hein, en approximation de premier ordre. Voilà ce que ça donne. Alors, si on regarde comment ont coévolué depuis 800 000 ans la température terrestre mondiale, c'est la température de surface mondiale moyenne, avec la concentration en gaz à effet de serre, en CO2, on voit que ça se suit très bien. Et on a des phases, des aires glaciaires, et on a des périodes interglaciaires. Et ça s'est suivi très bien. En réalité, souvent, c'est la courbe de température qui monte, qui entraîne une augmentation du CO2, et non le contraire. Sauf que le CO2, à son tour, entraîne une augmentation de la température. Il y a une boucle de rétroaction positive qui se met en place. Et aujourd'hui, ça date d'il y a quelques années, aujourd'hui, on a largement dépassé les 400 ppm. Et on ne sait pas ce qui va se produire. Personne ne le sait. Mais c'est ce que je vous disais, ça c'est déjà acquis. Donc indépendamment des modèles dont je vous dis à apprendre avec des pincettes, ça c'est déjà acquis. Et lors de la dernière déglaciation, on a pris 5 degrés en température moyenne globale en à peu près 2500, 3000 ans. En 2500 ans, la flore a le temps de s'adapter, a le temps de migrer. La faune a le temps de suivre. On fait la même chose en 200 ans. Et il y a 14 000 ans, il n'y avait pas les infrastructures, les villes, cette humanité omniprésente partout qui faisait que les espèces, les autres espèces pouvaient s'adapter. Ça ne se passera pas bien. Ça ne se passera pas bien. Quoi qu'on fasse, hein, c'est trop tard pour que ça se passe bien. Sixième et dernière dimension du monde naturel, la pédosphère, je sais que c'est un nom rigolo, c'est pas ce que vous croyez, c'est les sols. Et il se trouve que les experts... Ah non, je suis désolé, j'ai sauté. Autant pour moi, je reviens en arrière. Cinquième dimension du monde naturel, la biosphère, l'ensemble du vivant de la planète. Et là, voilà ce que nous dit la plus grosse étude qui a été menée sur l'ensemble des espèces vivantes, enfin, ensemble des règnes en réalité, même si on ne dit plus trop les règnes aujourd'hui, du vivant, qui conclut qu'entre 1970 et 2014, on a 60% des vertébrés qui se sont éteints, qui ont disparu. 60% des vertébrés au niveau mondial. Les vertébrés, ce sont les mammifères terrestres et marins, les oiseaux, les poissons, les amphibiens et les reptiles. Alors, entendons-nous bien, les espèces ne disparaissent pas. C'est pas... Oups ! Les espèces disparaissent de manière pénible. Donc, pour ceux qui s'intéressent un petit peu quand même à ce que ressentent les autres animaux, c'est pas des choses drôles. Ce sont des milliards et des milliards d'animaux qui meurent de faim, hein, grosso modo, et qui s'entretuent. C'est ça qui est en train de se passer, enfin, c'est une horreur totale. Bon, pour ceux que ça n'intéresse pas, à la rigueur, j'ai envie de dire qu'il y a quand même quelque part une question à se poser sur ce que ça veut dire d'être au monde. Est-ce que notre but, c'est d'être tout seul sur cette planète ? Est-ce que vous pensez que c'est même possible ? Ou est-ce que tout de même, on est en lien et est-ce qu'on ne dépend pas d'autres espèces ? Et ce qui est en train de se passer est gravissime. Aujourd'hui, si on regarde l'ensemble des mammifères, ça c'est uniquement les mammifères terrestres au niveau mondial, on peut les schématiser ainsi. En bleu, l'humanité, en biomasse, en marron, les animaux d'élevage, et ce qui reste en vert, c'est la faune sauvage. On a éradiqué entre 94 et 96% de la faune sauvage en grosso modo 200 ans. C'est gravissime. Un tiers des oiseaux de campagne ont disparu en 15 ans en France. 80% des insectes nord-européens qui ont disparu en 30 ans. Enfin, la sixième dimension du monde naturel, c'est la pédosphère, donc c'est l'ensemble des sols, comme je disais. Et si on regarde ce que nous disent les experts des sols, 75% des sols au niveau mondial sont détériorés de manière plus ou moins grave par les pratiques agricoles intensives, l'urbanisation, les activités industrielles, minières notamment. Et l'ONU, en février dernier, la FAO nous a prévenu d'un haut risque de pénurie alimentaire mondiale d'ici 2030. Voilà, donc jusque-là, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez lever la main et prendre la parole. Jusque-là,
Je ne vous ai jamais donné mon avis personnel, sauf une fois où je l'ai dit. Mais toutes ces données-là sont les données les plus officielles qui existent. Ce ne sont même pas les pires, parce qu'il y a des études encore pires que ça. Mais je vous ai donné ce qu'il y a de plus solide, et je n'ai pas donné mon intuition ou mon opinion personnelle. Voilà l'état observé du monde naturel. La question, c'est qu'est-ce qui se passe pour nous maintenant ? Alors, parce qu'à côté de ça, on a construit le monde humain qu'on appelle l'anthroposphère. L'anthroposphère, c'est aussi bien ça, c'est les réseaux qu'on peut voir depuis l'espace. C'est le nombre de bateaux qui circulent, ou le nombre d'avions qui volent. C'est les constructions humaines, les produits et les objets, les déchets, puis nous. Et il se trouve que l'anthroposphère explose. Alors là, on est vraiment dans une courbe qui est probablement encore pire qu'une véritable exponentielle mathématique. Faudrait vérifier. Mais c'est une courbe tellement vertigineusement raide qu'on est, je pense, au-delà de l'exponentielle. Et donc, ce qui se passe, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Depuis 1971, d'après le Global Footprint Network, donc j'ai oublié de mettre le logo, nous sommes en déficit écologique. Jusque-là, on était en surplus, on avait de la marge de manœuvre. On pouvait encore tendre vers la limite sans la dépasser. Vous vous souvenez, sur les quatre courbes que je vous ai montrées, c'était en haut à droite. Après 71, on a eu un moment où peut-être on aurait pu gérer une décroissance rapide pour se replacer en dessous de la courbe qui était la courbe en pointillé, la biocapacité. On ne l'a pas fait. Aujourd'hui, le déficit s'accroît. Il ne s'accroît pas parce que l'empreinte écologique forcément explose. Très honnêtement, elle augmente assez peu, mais parce que la biocapacité... Elle n'augmente pas parce que la biocapacité diminue. La biocapacité, aujourd'hui, on arrive encore à la faire augmenter. Là, ce que l'on voit, c'est par personne. C'est une courbe par personne. Mais si on regarde au niveau global, comme il y a beaucoup plus de monde, il y a toujours plus de monde sur cette planète, la biocapacité, elle augmente encore un petit peu, parce qu'on arrive à tirer plus du sol, on arrive à augmenter les rendements. La biocapacité, c'est la capacité bioproductive. Bon, pour l'instant, on est capable de l'augmenter. En moyenne, parce qu'il y a plein d'endroits où il y a une inversion de courbe, et on a atteint un sommet et on redescend. Aujourd'hui, plusieurs des grandes céréales, on a atteint le pic et on redescend. Notre capacité, les rendements retombe. Pareil sur notre capacité à tirer des ressources du sol minières, des ressources minières. Le rendement retombe sur la plupart aujourd'hui des grands métaux. Bref, ça en haut, c'est ce que consomme un Français aujourd'hui, c'est ce que émet un Français. Et en dessous, c'est ce qu'il faudrait qu'un Français émette pour respecter les accords de Paris, qui sont en plus très insuffisants. Est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir passer de ça à une division par 5 en faisant un peu de covoiturage, en consommant mieux, en peut-être prenant un peu moins l'avion. Ça, c'est un changement de civilisation. On n'en parle pas. Les gouvernants continuent à vous raconter que par telle ou telle mesure ou mesurette et par tel ou tel programme et pour protéger les océans ou les forêts, et puis parce qu'on va mettre des normes et des lois et des ceci et des cela, et puis surtout, évidemment, l'innovation technologique, bien sûr, eh bien, on va réussir à faire ça. Je n'ai pas d'avis sur la question, je vous laisse juger. L'ampleur du challenge. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous pensez vraiment que lorsque toutes les dimensions du monde naturel sont en effondrement observé, il ne s'agit plus d'une vue de l'esprit là. Au niveau du monde naturel, l'effondrement, pour pas mal de ces dimensions, il est observé, il est même quantifié. D'autres dimensions sont en pré-effondrement, on pourrait dire, ou en atteinte de limite. Pensez-vous donc que nos sociétés humaines vont pouvoir continuer de faire leur petit chemin, leur petit bonhomme de chemin, comme si de rien n'était, avec quelques aménagements. Je rajoute 4 éléments dans cette caractérisation de la problématique pour que vous compreniez la nature de nos vulnérabilités bien en détail. Nous sommes tributaires de chaînes d'approvisionnement à flux tendu hors de notre contrôle qui dépendent toutes de transports dont, comme je le disais, environ 95% dépendent du pétrole. Nous sommes tributaires de réseaux d'eau, d'énergie, d'électricité, de gaz, réseaux de transport, de télécommunications, qui eux-mêmes, tous, nécessitent un apport permanent d'énergie et de matériaux pour leur fonctionnement et leur maintenance.
Si vous pensez que l'État ou les collectivités ont prévu d'éventuelles ruptures de chaînes d'approvisionnement, détrompez-vous. Hein. Ça n'existe pas. Ce que vous pouvez faire, il doit y avoir 3 communes en France qui l'ont prévu. Ce que vous pouvez faire, éventuellement, c'est aller voir votre élu ou vos élus, votre maire, et demander à ce que l'impératif de résilience, on va y venir après, soit inscrit dans le DICRIM. Le DICRIM, qui est une sous-partie de ce qu'on appelle le plan communal de sauvegarde. Et en cas de problème, qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, allez jeter un coup d'œil. On en reparlera un tout petit peu ça aussi après derrière. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les infrastructures sont en mauvais état. Aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, il faudrait sortir 4 500 milliards de dollars avant 2025, juste pour réparer les infrastructures défaillantes. Ils n'ont pas cet argent. Ils ne l'auront pas. Donc, certaines infrastructures, on peut sans doute s'en passer. Mais d'autres, si vous voulez, il y a à peu près aujourd'hui 70 000 barrages aux États-Unis qu'il faudrait changer. Si, c'est une vue de l'esprit, c'est une façon de raisonner, mais c'est juste pour vous donner un ordre d'idée, si on en changeait un par jour, il faudrait plus de 200 ans. Et puis on est tributaire de ça. Alors, c'est super la technologie, évidemment c'est super, c'est formidable. Sauf que ça a complexifié le monde et ce faisant, ça l'a fragilisé. Nous voici vulnérables à des ruptures d'approvisionnement, à des pannes et à de nouveaux types de menaces. Des hackers, des cyberterroristes. On aura l'air bien malin quand dans une ville qui aura construit un système de véhicules autonomes géré uniquement par 5G, certes très sécurisé, avec des flux de données absolument énormes, avec une optimisation en temps réel du trafic, on aura l'air bien malin quand un hacker mettra le truc en panne. Ça bloque toute une ville. Pourquoi vouloir mettre de la techno partout? Vouloir mettre de la techno partout revient à nous vulnérabiliser. Réfléchissez à ça aussi, parce que vous êtes, je pense, beaucoup d'entre vous en tout cas, naturellement un peu technophiles. Je ne dis pas que c'est mal, mais il faut se poser des questions sur ce que c'est que la techno, à quoi ça sert, est-ce que ça peut créer de bien ou de pas bien. Et pas juste aller ouhou, dans le train de vers l'infini et au-delà, la techno c'est super, et puis pas trop se poser de questions. Il y a des questions à se poser qui sont fondamentales. Enfin, nous, on dépend de ça. On dépend des marchés financiers qui sont instables, qui réagissent à court terme, qui se moquent bien du long terme, qui se moquent bien de votre intérêt général également, de votre intérêt à vous, et qui ne connaissent que 2 modes, le mode panique et le mode euphorie, donc, et qu'on maîtrise absolument pas. Donc, comment on fait? Et c'est quoi l'avenir? Comment on fait? C'est une question importante. Il y a un mouvement qui a pris dans cette école, là, je trouve ça super. Et je vais proposer une petite critique. Cette critique n'invalide pas le mouvement. C'est-à-dire que ce soit les mouvements qui ont lieu actuellement pour, je sais pas, que ce soit Extinction Rebellion, que ce soit les Youth for Climate, que ce soit... Tout ça, c'est très bien, il faut continuer. Voilà, j'ai pas de... Mais il ne faut pas se leurrer. Ce n'est qu'un premier pas, parce que ça ne suffit pas, parce que la solution n'est pas là. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui de demander aux élites de faire ce qu'il faut pour... Pourquoi ? Pour respecter les accords de Paris. C'est les élites qui vont dire à partir de maintenant, on divise par 5. Ça n'arrivera pas. Un, ils n'ont aucun intérêt à le faire, donc ils ne le feront pas. Deux, ils ne comprennent pas la problématique. Sortez-vous de l'idée qu'ils ont compris ce que je vous raconte aujourd'hui. Hein. Ils n'ont aucune notion de systémique. Ils ne comprennent rien. Surtout ce que je vais dire juste après, ils ne comprennent pas. Pas le temps de s'occuper de ça, ils n'ont pas de formation, ni scientifique, ni technique. Bref. Et puis, même s'ils voulaient, ils ne pourraient pas. Même un chef d'État ne peut rien faire. Même si en France, en 2022, on élisait quelqu'un qui avait tout compris, qui disait « on va faire ça », et miraculeusement, on le laisse faire. Hein, le Sénat et l'Assemblée nationale laissent faire, et puis le Conseil constitutionnel laisse faire, et le peuple laisse faire. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe si on rentre dans une décroissance forcée. Si on le fait tout seul, c'est une catastrophe. Parce que ça ne changera rien au problème. On va se mettre simplement en difficulté par rapport à nos concurrents, entre guillemets, en tout cas aux autres pays, dans un monde qui est en contrainte énergétique et matérielle croissante, et donc où la compétition va augmenter, pas la compétition, la rivalité plutôt, va augmenter. Et puis ça ne changera pas grand-chose, parce que si nous on ne brûle pas le pétrole, bon ben, d'autres le brûleront. Donc,
ils ne peuvent rien faire. Mais après, je vais vous dire ce qu'on peut faire. Des choses qu'on peut faire. Mais ce n'est pas ça. Donc ça envoie un signal fort, et c'est pour ça qu'il faut continuer, mais il ne faut pas se leurrer sur l'issue possible de juste demander aux élites de faire ce qu'il faut. Ce ne sont pas à elles de changer, c'est à nous de les faire changer. Je ne cherche pas à culpabiliser qui que ce soit. Par contre, on est tous responsables de l'avenir, qu'on soit coupable ou pas du passé. On est tous responsables de l'avenir, que ce soit pour se changer nous, pour créer d'autres choses, d'autres façons de vivre, ou pour faire changer les élites, même là, c'est à nous de jouer, parce qu'ils ne changeront pas. Vous devriez commencer à le comprendre. Ils ne sont pas du tout au service du peuple. Hein. La démocratie, qui est un régime du peuple, par le peuple, pour le peuple, on n'y est pas. Hein. Donc ils ne vous écouteront pas, ou à la marge, pour vous calmer. De temps en temps, on laisse émerger quelques dissidences, parce que ça fait soupape de sécurité, mais... Bon, donc réfléchissez bien aux formes d'engagement qui existent. Certaines sont tout à fait louables, comme les mouvements qui sont en cours, mais ils ont leurs limites, et il faut en avoir conscience, ne pas penser que ça va être la solution. Aujourd'hui, voilà ce qu'eux, ils veulent. Ils veulent toujours plus, et c'est ça qu'ils nous vendent essentiellement. C'est plus vite, c'est quoi déjà ? C'est plus vite, plus haut, plus fort, c'est la devise olympique, si vous voulez. Il n'y a pas de limite, quoi. Ça, c'est vraiment la manière dont nous, on s'imagine. On est tellement géniaux. Et voilà, une vision triomphante de Paris 2050, avec des super technos partout, c'est super beau. Waouh, ça fait rêver, quoi. Ou alors c'est ça, ça va être des véhicules autonomes électriques absolument partout. Waouh, c'est super beau, ça fait rêver. Mais ça n'arrivera pas. Parce que moi, je ne peux pas vous dire ce qui va se passer demain. Je ne suis pas devin. Mais je peux vous dire que certaines choses ne se produiront pas. Ça ne se produira pas. Ok, il y aura des exceptions. Il y aura une ville par-ci, une ville par-là qui va développer leur voiture autonome électrique. Oui, bon, sans doute. Mais ce n'est pas une solution pour le monde. Ça ne sert à rien. C'est fait uniquement pour enrichir et pour amuser quelques privilégiés. Si on regarde ce que nous dit le patron d'Intel, il nous dit qu'un véhicule autonome, c'est 4 teraoctets de données échangées par jour. Un véhicule autonome. Donc si vous en mettez 10 millions sur Terre, et aujourd'hui, on n'est pas en train de nous dire qu'on va en mettre 10 millions. On est en train de nous dire qu'on va en mettre 1 milliard, 2 milliards, je ne sais combien. Mais juste 10 millions, ça dépasse largement la taille totale d'Internet d'aujourd'hui. Mais ce sont des flux de données absolument considérables, même avec de la 5G. Ça n'existera pas. Vous rajoutez à ça l'Internet des objets, tout connecté, tout machin. Enfin, c'est un délire total. Parce que tout ça, ce n'est pas dématérialisé, enfin. La technologie, c'est physique. D'ailleurs, il suffit de regarder les pays qui sont les plus dématérialisés, entre guillemets, les pays qui sont les plus tertiarisés. Ah ben nous, on a désindustrialisé, on fait plus que du service. Donc, regardez ces pays-là, ce sont ceux qui ont la plus grosse empreinte écologique. Aujourd'hui, on est arrivé ici, au point de la courbe, que Joseph Tainter, quelqu'un dont je vous recommande la lecture, Joseph Tainter, notamment « The Collapse of Complex Societies », a été traduit en français. C'est un vieux bouquin des années 80, mais qui est absolument incroyable, sur la notion de complexité. Aujourd'hui, Tainter explique que nous ne sommes pas capables de résoudre les problèmes créés par les excès de complexité sans rajouter encore plus de complexité. La technologie, 9 fois sur 10, ça rajoute de la complexité. Et ça nous vulnérabilise encore plus, ça crée d'autres problèmes. Il faut encore trouver d'autres rustines pour essayer d'empêcher ce pneu qui fuitent partout, d'éclater. On est aujourd'hui en train d'essayer de maintenir un pneu qui éclate, qui ne demande qu'à éclater, qui fuite partout. Et il y a un point de rebroussement. Il y a un moment où ça ne marche plus, où tout ce qu'on peut faire n'est pas suffisant pour maintenir la stabilité du système, et le système se décomplexifie. C'est une autre façon de voir l'effondrement. Décomplexification. Si c'est lent, ça se gère. Si c'est rapide, ça peut être un effondrement. Ce qui nous attend dans les prochaines décennies, et ce n'est pas une question de volonté politique ou autre, c'est une descente énergétique et matérielle. Celle-ci a déjà commencé, elle va s'accélérer. Une descente énergétique et matérielle. Il se trouve que vous faites des études d'ingénieurs, et que les ingénieurs, une de leurs grandes forces, en théorie, c'est d'être capable d'optimiser les systèmes quand justement on est en contrainte, en l'occurrence énergétique et matérielle. Donc ça fait partie des grands enjeux de demain sur lesquels il n'y a quasiment que des ingénieurs qui peuvent plancher. Aujourd'hui, personne ou presque ne planche là-dessus. Vous allez avoir des contraintes qui vont augmenter, des moyens qui vont baisser,
Donc il va falloir optimiser. Vous avez vraiment un rôle à jouer. En tout cas, ce qui est certain, c'est que si on se croit invincible et qu'on ne se prépare pas, on se rend vulnérable, d'autant plus. Et puis, il faut poser les bonnes questions. Aujourd'hui, l'humanité a toujours été très forte pour résoudre des problèmes. Et aujourd'hui, ce qu'on vous enseigne à vous, ici, c'est bien ça. C'est de résoudre des problèmes. Pas que, mais beaucoup. Mais ça sert à quoi de résoudre des problèmes si on n'a pas compris ce que c'était qu'un problème? Alors on va essayer aujourd'hui maintenant de définir ce que c'est qu'un problème et ce que c'est qu'une solution. Et ce que c'est que le solutionnisme, c'est-à-dire le fait de vouloir rechercher des solutions quand des problèmes se posent. Le solutionnisme consiste à maintenir le système en place. Il consiste, il y a un système, un pneu qui éclate, comme je vous disais, il consiste à mettre les bonnes rustines aux bons endroits pour maintenir le pneu. Réfléchissez à ça aussi. Trouver des solutions à des problèmes, ça veut dire quoi? Fondamentalement, ça veut dire maintenir le plus longtemps possible le système en place. Et certainement pas essayer de penser à autre chose. Ou à la marge, évidemment, il y a des aménagements, on le change un petit peu, ce système. Mais fondamentalement, les règles d'interaction qui régissent ce système restent les mêmes. Donc l'ADN, quelque part, du système reste le même. Et c'est quoi les problèmes et les solutions? Est-ce que le dérèglement climatique est un problème? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous ont conscience qu'il y a un véritable gros problème climatique, c'est vrai. Et essaient de trouver des solutions à ce problème. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le prendre? Ce que je vous dis là, juste une petite remarque, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne réalisent pas, donc c'est le moment d'être vraiment attentif. Comparativement à ce que vous entendrez ailleurs, ce que je vais vous dire maintenant n'est pas quelque chose qui présente une différence de degré, mais bien une différence de nature par rapport à ce que vous avez entendu toute votre vie, je pense. Enfin, en tout cas ces dernières années, depuis qu'on est conscient du problème. Si vous traitez le dérèglement climatique comme un problème, alors il y a des solutions. Elles sont très difficiles à mettre en œuvre, elles sont limitées. Notamment, aujourd'hui, les quelques et rares scénarios du GIEC qui permettent de redescendre, après avoir dépassé un peu, en dessous de 2 degrés Celsius à la fin de ce siècle, sont des scénarios qui misent à fond sur un truc qui s'appelle le CCS ou le BECCS, donc Carbon Capture and Storage, ou Bioenergy and Carbon Capture and Storage. Grosso modo, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va capter le carbone qui est dégagé, qui est émis, soit celui qui est déjà dans l'atmosphère, soit en sortie de centrale au charbon, et on va ensuite mettre ça quelque part, sous terre ou ailleurs, voilà. Et on va le stocker. Ou alors, on va utiliser de la biomasse énergique, c'est-à-dire qu'on va faire pousser des choses, mais qui vont ensuite, on va les, en poussant, elles prennent du carbone, quand on les brûle, et puis elles régénèrent ce carbone, mais c'est un taux soi-disant neutre, soi-disant nul. Voilà. Sauf que la capture du carbone, on ne sait pas le faire. Il y a aujourd'hui quelques recherches, il y a des recherches, il y a quelques démonstrateurs où on nous dit « Ah, peut-être que c'est envisageable de faire comme ci, comme ça », sauf que ça ne marche pas, et que si ça marchait, le déploiement industriel de ces solutions au niveau mondial, un, n'est pas certain, on n'est pas sûr que ce soit possible, et deux, si c'est possible, ça prend 30 ans. Donc même ces solutions-là sont un peu à la ramasse, quoi, par rapport à l'ampleur et la gravité et l'imminence du problème, et l'urgence du problème. Donc, tout est misé sur une solution qui, aujourd'hui, est juste une vue de l'esprit. Pourvu que ça marche, hein. Mais c'est une vue de l'esprit. La seule véritable solution au problème qu'on a de dérèglement climatique, c'est quoi? La décroissance des émissions, et in fine, il y a un gros effet d'hystérésis, mais in fine, le plafonnement et peut-être la décroissance de la concentration. Mais ça, ce n'est pas une solution technologique qu'il faut pour ça. C'est une solution systémique. Il faut que notre système décroisse. Et dans ce cadre-là, finalement, certains pourraient penser qu'un effondrement est une très bonne solution. Ou une très bonne nouvelle, en tout cas. Ah bah oui, un effondrement, je peux vous dire que les émissions de gaz à effet de serre vont baisser. Sauf si tout le monde se rue sur tout ce qui a brûlé,
sauf si parce qu'il y a un effondrement qui n'a pas été préparé, en tout cas une descente énergétique et matérielle qui n'a pas été préparée, du coup ça se transforme en effondrement chaotique, du coup les gens sont dans la panique, du coup ils vont pêcher tout ce qui se pêche, ils ont chassé tout ce qui se chasse et ils vont couper tout ce qui se brûle. Et ça va être une catastrophe. Parce qu'on va niquer, excusez-moi, les puits de carbone et on va dégager un max de gaz à effet de serre. C'est aussi la raison pour laquelle la décroissance énergétique et matérielle à laquelle on fait face, elle va se produire. Si on l'anticipe, on peut la gérer, je vais vous expliquer comment après, par des stratégies de résilience, pour que ce ne soit pas la catastrophe, pour que même à certains égards, même si ce sera compliqué et difficile, on va même retrouver quelque part un petit peu un sens de vivre si on s'y prend bien. Et c'est une solution au problème de climat qu'on a. Mais je retourne sur la question fondamentale qui est, est-ce que le dérèglement climatique est un problème? Est-ce que l'érosion de la biodiversité est un problème? Est-ce que le dérèglement des cycles biogéochimiques est un problème? Est-ce que le fait qu'on arrive à en buter sur un certain nombre de ressources qui sont plus assez disponibles est un problème? Non. Ce sont des symptômes. Ce sont des conséquences du problème. Un problème qui est systémique et dont personne ne vous parlera jamais, qui tient à comment fonctionne notre civilisation. C'est la slide suivante. Nous avons un grave problème systémique, donc on n'en parle pas, parce qu'on ne sait pas le traiter. Mais je vais vous dire qu'il y a quand même quelque chose qu'on peut faire. Donc si vous avez un gros mal de crâne, et que vous traitez ça comme un problème, il y a des solutions. Ça s'appelle le paracétamol, ça s'appelle l'aspirine, ça s'appelle peut-être faire de la méditation, je ne sais pas dans quoi vous êtes, mais il y a des huiles essentielles et des machins. Il y a des solutions. Si ce mal de crâne est une conséquence du fait que vous avez un cancer du cerveau, prenez des kilos d'aspirine. Hein. Vous mourrez quand même de votre cancer. Et je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre d'aspirine. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas traiter les symptômes. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il faut le faire, c'est indispensable. Et donc tous les combats qui ont lieu pour sauver le vivant, pour sauver la nature, que ce soit une transition énergétique qui ne devrait pas être technologique, mais surtout humaine, et qui devrait surtout amener à revoir nos besoins à la baisse et à réfléchir à ce dont on a vraiment besoin pour une sobriété systémique. Passons. Donc cette transition énergétique pour décarboner la civilisation, elle est importante, elle est vitale. Sauver les océans, enfin se battre pour ça, oui, c'est vital. Les forêts, pareil, etc. L'eau. Et pourtant, si on fait tout ça, même si on réussit, ce qui n'est pas gagné, on va s'effondrer quand même. La pression va se déplacer ailleurs dans le système. C'est ce qu'on appelle l'auto-organisation des systèmes, en dynamique des systèmes. Et ce qui se passe, c'est que quand un système dépasse une limite ou atteint sa limite, il bascule dans un état instable. Pas rentrer dans le détail de la dynamique du système maintenant, et allez voir si vous voulez aller creuser un petit peu. En tout cas, voilà. Donc, c'est quoi le problème? Le vrai problème. Le problème, c'est que notre civilisation est un flux thermodynamique qui transforme la nature en déchets. On prélève des ressources en amont, on les transforme avec de l'énergie en biens et en services, on fait des activités, on fait un certain nombre de choses avec ça, c'est les sociétés, et puis voilà, c'est ce qu'on fait au milieu. Et en aval, on rejette des déchets et des pollutions. Ces déchets et des pollutions peuvent être solides, liquides ou gazeux. Et parmi les gaz, il y a les gaz à effet de serre. Et donc le dérèglement climatique n'est qu'une conséquence, une des multiples conséquences du fait que ce flux est bien supérieur à ce que peut durablement encaisser notre planète. Voilà le problème. Il faut complètement revoir la manière qu'on a de se comporter à la nature et à ses ressources pour avoir une chance que ce flux soit stoppé, en tout cas en grande part. Et donc, par exemple, la transition énergétique, eh ben, ok, pourquoi pas, mais elle n'est valable que si elle fait partie d'une palette de stratégies visant à s'attaquer aux causes primaires du problème, c'est-à-dire quoi? Visant à changer de civilisation. Ça fait peur, hein, dit comme ça. Hein. Et ce n'est pas ça qui va nous permettre de changer de civilisation.
Ça, c'est l'article 3, alinéa 5 de la CCNUCC, qui est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est le texte cadre sur lequel s'appuient toutes les COP, tous les grands raouts, les grandes conventions climatiques onusiennes. L'impératif de croissance est inscrit dans la CCNUCC. Il faut croître, parce que c'est ça qui permettra d'investir dans des technologies qui permettront de résoudre le problème. Il y a deux croyances sous-jacentes, deux idéologies même sous-jacentes à ça, qui sont présentes dans tout le développement durable depuis 1987 et le rapport Brundtland qui définit ce qu'est le développement durable, qui est que, un, le marché fonctionne, et deux, la solution est technologique. Ce sont des choses qui ne se basent sur rien. Sur rien. Ce sont des idéologies. Et cette idéologie, elle se justifie par ce qu'on appelle le découplage. Et on nous dit qu'on va découpler. On va pouvoir continuer de croître économiquement, mais on va pouvoir diminuer notre impact sur l'environnement. Et il y a plein de gens qui disent que bien sûr que c'est faisable. Ben oui, bien sûr. En réalité, toutes nos politiques se basent là-dessus. Toutes. En 2017, j'ai écrit le programme d'une candidate à la présidentielle. Personne, quasiment, j'imagine, dans cette salle n'en aura entendu parler. Elle s'appelait Charlotte Marchandise-Franquet. C'était une candidate citoyenne qui avait gagné une primaire des internautes sur une plateforme qui s'appelait laprimaire.org. Tiens, je suis curieux, qui a entendu parler de Charlotte Marchandise? Un, deux, ouais, deux, trois. Trois, voilà. Parce que je peux vous dire quelque chose, c'est que quand on essaie de proposer des nouvelles idées, les médias font barrage. Donc, ce qui se passe, ne rentrons pas là-dedans, c'est pas le sujet. J'ai écrit un programme politique pour cette candidate. Et en tant que directeur programme, j'ai dû me farcir l'ensemble des programmes politiques de tous les autres candidats. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'au cœur de tous les programmes politiques de gauche, comme de droite, comme de l'hypercentre, au cœur de tous les programmes, il y a l'hypothèse du découplage. Forcément, on va réussir à découpler. Ah ouais ? Vraiment ? Et ça se base sur quoi, ça ? Étudions un peu la question. Il faut regarder ce que nous disent ceux qui disent qu'on va découpler. Ils nous racontent qu'on va réussir à découpler quoi ? Les émissions de gaz à effet de serre. Ils ne parlent que de ça. Bon, sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est faux, mais il y a quelques contre-exemples qui rendent l'analyse subtile. Déjà, il y a beaucoup de pays qui disent qu'ils continuent à croître économiquement, mais qu'ils ont baissé leurs émissions de gaz à effet de serre. La France le dit, l'Europe le dit. C'est faux, c'est un jeu de comptabilité. Les émissions comptabilisées sur le territoire, elles, effectivement, baissent, mais parce qu'on a désindustrialisé et on a exporté, enfin on a délégué à d'autres pays, essentiellement la Chine et l'Asie, notre production. Si l'on regarde les émissions liées à la consommation effective des Français, en intégrant ce qu'on appelle les émissions importées, ah non, non, ça ne décroît pas, ça continue de croître. Vous n'avez fait aucun effort, désolé de vous le dire. Donc globalement, déjà, il n'y a quasiment pas de pays où il y a une véritable décroissance des émissions liées à la consommation avec une croissance économique soutenue. Les seuls pays qui décroissent en émissions de gaz à effet de serre sont les pays qui décroissent économiquement. Alors, je peux vous dire qu'au Venezuela, ce sont de bons élèves au niveau climatique. Le Yémen aussi. Et puis, il y a un ou deux contre-exemples qui sont un petit peu embêtants pour les gens comme moi et qui demandent d'aller creuser très loin pour bien comprendre le phénomène. Le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a vraiment réussi, même en intégrant les émissions importées, a vraiment réussi à baisser ses émissions de gaz à effet de serre tout en continuant à augmenter sa production de biens et de services. Comment ils ont fait ça ? Ils ont fait ça en sortant du charbon qui était très présent dans le mix énergétique anglais. Et puis maintenant que c'est fait, mais ils ne peuvent pas maintenir ce découplage. Maintenant que c'est fait, ils ont produit le gros de leur effort et maintenant ils essaient de continuer, mais ça rattrape. Et aujourd'hui, il n'y a plus de découplage absolu, donc avec l'économie qui monte et l'impact et les émissions de gaz à effet de serre qui descendent, il n'y a plus qu'un découplage relatif où l'un croît plus vite que l'autre, mais les deux croissent. Et donc, en fait, il ne faut pas dire qu'on ne peut pas découpler les émissions de gaz à effet de serre de l'économie. On peut le faire dans certains cas, mais on ne peut pas le découpler durablement,
On ne peut le faire que sur certaines phases transitoires de déphasage de certains combustibles fossiles. Et accessoirement, on ne peut le faire que d'une manière localisée. On est incapable de faire ça au niveau systémique, c'est-à-dire au niveau planétaire. Si ça décroît à un endroit, c'est que ça croît ailleurs, globalement. Et puis surtout, ce qui compte, ce n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre. Il y a plein d'autres choses. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a notamment les différentes pollutions qu'on génère. Est-ce qu'il y a un découplage entre notre croissance économique et les pollutions générées? Non, il y a un surcouplage. Hein, il y a des océans de plastique maintenant. On bouffe, je vous ai dit, 50 cartes bancaires par an, chacun de nous, en plastique. Est-ce qu'il y a un découplage entre les dégradations écologiques et l'économie? Non, ça se dégrade de plus en plus, ça s'accélère. Il n'y a pas de découplage. Est-ce qu'il y a un découplage entre notre capacité à produire un point de PIB et la quantité de ressources qu'on utilise pour le faire? Non, il y a un surcouplage. On utilise plus de ressources pour un point de PIB qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas de découplage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout notre avenir, tout votre avenir est misé sur cette possibilité de découplage. Ça. Et depuis le début, je suis sur la mauvaise slide. C'est là que je voulais être. Je suis désolé. Je suis navré, je pensais que j'étais au-dessus. Alors on va revenir à celle-là juste après. Quand je parle de découplage, c'était ça que je voulais comme illustration. Donc vous regardez par exemple les rapports de Jason Hickel et Giorgos Kallis sur le surcouplage matériel et vous allez voir. Vous regardez les derniers rapports du GIER, parce qu'il n'y a pas que le GIEC, il y a aussi le groupement intergouvernemental d'experts sur les ressources. Dans leur dernier rapport de 2016, ils sont très clairs sur le fait que non, on utilise de plus en plus de ressources et non pas de moins en moins. Donc il n'y a pas de découplage absolu. C'est du rêve. On aimerait bien. Une fois de plus, moi, je ne suis pas un décroissant par principe. C'est juste que les faits sont là et les preuves sont solides. Au final, ça donne quoi? Toutes les super solutions qu'on a mises en place. Que ce soit le marché du carbone, des super technos avec des clean tech, des green tech, des smart tech, tout ce que vous voulez. Que ce soit les COP avec des milliards investis. COP après COP après COP, voilà la concentration en gaz à effet de serre. Ça n'évolue pas à la baisse. Parce que les réponses ne sont pas adaptées aux problèmes. Là, je passe. Et aujourd'hui, je ne cherche même pas à vous démontrer que ça va se produire. Parce que je ne peux pas. Ce n'est pas 1 plus 1 égale 2. Personne ne peut pas vous démontrer ce que je suis en train de vous dire ce soir. Juste qu'il y a un faisceau extrêmement clair d'informations qui nous proviennent de la littérature scientifique, et là j'insiste bien là-dessus, parce que s'il y a pas mal d'hurluberlus qui parlent de ces sujets-là, même si on enlève tout ça et tout le côté un peu mystique qui vient s'agréger autour de cette thématique de l'effondrement et qui, très honnêtement, énerve beaucoup quelqu'un comme moi, et si on reste juste sur la substantifique moelle qui est qu'est-ce que nous dit la littérature scientifique et technique également. Je suis désolé, mais les preuves sont accablantes de ce que je vous dis. Donc, mais à minima, c'est plausible. Voilà. Vous savez quoi? On va se satisfaire de plausible. Et la question que je vous pose, c'est est-ce qu'il faut avoir la certitude que le navire va sombrer avant d'y mettre des chaloupes? Donc, mon attitude n'est pas une attitude idéologique. C'est même pas un principe de précaution vaguement écolo. C'est même pas ça. Moi, ce que je fais, et les gens avec qui je travaille aujourd'hui, ce sont des experts de la prévention des risques. Notamment des risques majeurs. Je travaille dans cette industrie-là. Et il s'agit de prévention des risques. C'est juste quelque chose de responsable à faire. Face à une menace qui est aujourd'hui objectivement plausible, et celui qui vous maintient l'inverse, c'est lui l'hurluberlu. C'est qu'il n'a pas assez lu, ou parce qu'il a une idéologie à défendre. Voilà, donc si on regarde les objectifs de développement durable de l'ONU, c'est très bien, mais regardez l'objectif numéro 8... Travail décent et croissance économique, je peux vous dire que peut-être qu'on va certainement réussir à atteindre certains des objectifs et ce sera tant mieux. Il faudra en atteindre le plus possible. Mais tant qu'on essaiera d'atteindre l'objectif numéro 8, on ne pourra jamais tous les atteindre. Il y a un moment, on touche à un paradoxe. Et ça, l'économie circulaire également, vous en avez peut-être entendu parler, peut-être qu'il y a même des cours, je ne sais pas, il y a des cours sur l'économie circulaire. Bon, ça c'est très bien. Et l'économie circulaire, je vais à la fois être positif et négatif. Positif parce qu'il y a énormément de choses extrêmement riches et utiles dans l'économie circulaire.
Donc, que ce soit bon, la partie innovation, si vous voulez, mais que ce soit donc l'éco-conception sur tous les cycles de, avec l'analyse de tous les cycles de vie, la prévention des déchets, très bien, la gestion des déchets, l'efficacité énergétique, sobriété, ça devrait apparaître là-dedans, ça n'apparaît pas. Bon, voilà, en écologie industrielle, tout ça, il y a des choses très intéressantes à faire. Donc, sur le plan technique ou sur le plan organisationnel, vraiment, je pense qu'il y a des choses à y faire. Mais attention. Attention, parce que aujourd'hui, l'économie circulaire, c'est également un storytelling politique. C'est un nouveau récit politique qui est utilisé par les dirigeants pour justifier le statu quo. Pour dire, on ne va pas changer le système, ça ne sert à rien. De toute façon, les ingénieurs sont là pour tout circulariser, youpi. Et on va rester globalement, on va faire comme avant. Donc, vous vous faites utiliser, et naïvement, si vous pensez juste faire le bien en faisant de l'écologie, l'économie circulaire, détrompez-vous. Donc, quelque part, j'ai envie de vous dire, si vous voulez vous investir dans l'écologie, dans l'économie pardon, circulaire, vous devriez avoir un investissement ou une implication politique également à côté, parce que l'un n'est pas indépendant de l'autre. Et si vous ne vous intéressez pas à la chose politique sur cette question-là, d'autres vont le faire à votre place, et pas les bons. La technologie, c'est super, ça nous fascine, mais aujourd'hui, elle contribue à une complexification du monde, elle nous rend dépendants, elle nous transforme en junkies. Il y a vraiment des problèmes avec la technologie. Donc, j'ai envie de vous dire, réfléchissez à quoi elle est utile. Et moi, ça c'est une suggestion, enfin, c'est mon avis personnel, je pense que la technologie peut être utile si c'est un moyen de décomplexifier le monde. On peut, par la technologie, par l'optimisation sous contrainte pour lesquelles vous pouvez être formé ici, un petit peu, je ne sais pas jusqu'où ça va dans le programme que je ne connais pas bien, mais en tout cas, via l'optimisation sous contrainte à différents niveaux, vous pouvez arriver à faire en sorte que, par des technologies certes complexes en elles-mêmes, vous pouvez décomplexifier le monde. Et c'est un grand enjeu, et un grand enjeu de décomplexification. La décomplexification, elle arrive. Soit, une fois de plus, on l'a fait nous-mêmes, en choisissant aujourd'hui, entre nous, d'une bonne manière si possible, la plus démocratiquement possible, j'imagine, en prenant les choix difficiles qui s'imposent, mais on le fait ensemble, et on choisit ce qu'on garde, on choisit ce qu'on jette, ce qu'on arrête, on choisit ce qu'on fait évoluer, ce qu'on va accélérer, ce qu'on va ralentir. Décroissance globale, mais ça ne veut pas dire que tout doit décroître. À l'intérieur de cette décroissance globale, certaines choses qui font sens peuvent croître. Et ces choix-là, on peut les faire aujourd'hui ensemble, ou on ne s'en préoccupe pas, et ils nous seront imposés demain, dans le chaos. Et on ne pourra plus choisir. Et ce qui va se passer, ça va être que dans ce chaos, des individus, comme ça toujours été dans l'histoire, vont émerger en disant « je vais vous garantir la sécurité, bon, par contre, c'est en échange d'un peu de votre liberté ». Et on va vers des autoritarismes, pour ne pas dire des dictatures. Aujourd'hui, on peut se poser des choix collectifs. Donc, il y a une dimension politique là-dedans, que vous le vouliez ou non. Et je ne parle pas de dimension politicienne, hein. Il ne s'agit pas d'adhérer à un parti ou je ne sais quoi. Je vous dis juste qu'il y a la chose politique et quelque chose que vous devez investir, et pas juste la technique, car la technique n'est qu'un outil dont va se servir le politique ensuite. Et si vous n'êtes pas là pour déterminer ou co-déterminer ces choix avec des citoyens également, va savoir ces choix vers quoi ils vont nous mener. Et donc voilà, donc, est-ce que ça s'effondre après tout ce que je vous ai dit, est-ce que nécessairement ça s'effondre? Ce qui est certain, c'est que cette descente énergétique et matérielle à laquelle on ne va pas couper, eh bien, elle va remettre en question une partie de notre société. Parce que dans nos sociétés, il y a certaines activités qui ne sont pas du tout efficaces énergétiquement. L'éducation, ce n'est pas efficace énergétiquement. Le système de santé non plus. En fait, toutes les choses qu'on aime, nous, et qui contribuent à faire en sorte qu'on ait une civilisation avancée et qu'on ait un certain confort de vie, et qu'on peut vivre dans une société où on n'est pas en permanence en compétition ou en rivalité, mais que la coopération est possible, toutes ces choses-là demandent de l'énergie. Donc il y a des choix, on va devoir faire des choix, et une fois de plus, ces choix sont difficiles. Donc soit on les gère maintenant, il va y avoir une raréfaction de certaines choses, mais la raréfaction, ça se pilote, soit on ne fait pas ces choix, et ça va être des pénuries, et les pénuries, ça ne se pilote pas, ça se subit. Que ce soit au niveau personnel, collectif, local, au niveau national, que ce soit au niveau international. Tout l'équilibre diplomatique des nations, toutes les relations internationales sont basées sur quoi ? Sur la capacité
des différentes forces en présence, la capacité à négocier pour se distribuer les surplus. C'est rarement tout à fait équitable, mais on peut discuter quand il y a du surplus. Mais quand il n'y a pas du surplus, quand ça décroît et qu'il s'agit de savoir qui décroît plus que l'autre, là, on ne discute plus. Là, la diplomatie est beaucoup plus difficile. On bascule dans un autre régime. Et une fois de plus, ce régime-là, soit on l'a anticipé et on peut gérer, soit on arrive et on se fait prendre par surprise. On n'a pas regardé la vague qui arrive et elle nous casse les reins, quoi. Je vais passer très rapidement là-dessus, sur le fait que lorsqu'il y a des ruptures... Non, c'est important. Lorsqu'il y a des ruptures dans le système, la stabilité du système, sa capacité à récupérer de cette rupture, va dépendre de la capacité qu'il a à réagir vite. Là, par exemple, c'est des niveaux de blackout. C'était sur des blackouts électriques. Quand il y a un blackout qui se produit et qu'on réagit en moins d'un jour, en quelques heures, c'est bon, 24 heures plus tard... Le système est rétabli. Et c'est heureusement ce qui se passe dans la plupart des cas. Quand on met un peu plus longtemps, 2-3 jours, à résoudre le problème, eh ben, la remontée est plus lente, c'est un peu plus poussif. Il faut presque une semaine pour arriver à retrouver l'équilibre. Et alors, il suffit d'un tout petit peu plus que ça. Il suffit de passer à 3 ou 4 jours de réaction. Et là, ça peut mettre des semaines avant de redevenir opérationnel. Voire, dans certains cas, c'est la petite ligne en pointillé en bas. Des fois, ça ne peut jamais revenir. Sauf à avoir de l'aide extérieure, bien sûr. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que moi, j'ai travaillé avec des experts de la résilience des infrastructures en 2017. Et en fait, chaque type d'infrastructure a des experts qui savent exactement comment faire pour redémarrer une infrastructure si elle s'effondre. Ils savent faire ça. Par contre, tous ces scénarios qu'ils ont considèrent que le reste de la société continue de fonctionner normalement. Tous. Si votre système électrique s'effondre, ce qui arrivera un jour, c'est presque sûr, tous les systèmes électriques, tôt ou tard, il y a un glitch qui fait que, par un effet de propagation du choc dans l'infrastructure, ça fait un blackout partiel ou total. Mais bref, le jour où ça se produit, eh ben, c'est pas dur à rétablir si on réagit rapidement, si on peut joindre les bons professionnels qui ont les bonnes compétences, qui sont joignables, donc le système de télécommunication fonctionne, qui peuvent se rendre d'un point A à un point B sans problème, donc les réseaux de transport fonctionnent, ils ont de l'essence à mettre dans leur voiture. Si par ailleurs tout va bien, c'est-à-dire au niveau de l'économie, ils sont payés pour aller bosser, tout le monde est là, si tout le monde peut bouffer à sa faim, etc., s'il n'y a pas une guerre civile qui fait que... Voilà. Si tout ça... C'est réuni. Ce sont des implicites qu'on ne dit jamais. Mais si tout ça est réuni, ah oui, pas de souci, on saura rétablir le système électrique en 24 heures maximum. Voilà. Moi, je ne suis pas sûr que toutes ces conditions seront tout le temps réunies. On verra. Et derrière, je vous encourage à aller voir là, et on ne va pas lire parce que ce serait trop long, à aller voir ce qu'avait publié en 2015 la American Trucking Association, c'est l'association des transporteurs routiers, qui avait imaginé, et si jamais il y avait pour une raison X ou Y, une rupture du transport routier américain, qu'est-ce qui se passe? Ben, on arrive assez rapidement à des grosses pénuries, des gros problèmes. Il y a une pénurie d'eau potable après 2 semaines. Mais au bout de quelques jours, déjà, il y a les premières pénuries. Ça, vous trouvez ça sur Internet. Ça, c'est un, je crois que ça s'appelle « When Trucks Stop, America Stops ». C'est une étude qui a été faite là-bas. Enfin, pour terminer sur l'effondrement et sur le risque dont je vous parle, et après on passera à ce qu'on en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que notre système, notre société dans laquelle on vit, elle est solide uniquement parce qu'elle se base sur des choses qui en réalité sont très 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 ténues. La confiance. Tout le système financier se base sur la confiance. Mais la confiance, c'est pas un acquis éternel. Donc il y a un type qui s'appelle Dimitri Orlov, je trouve que ses travaux sur l'effondrement sont très intéressants, sur les risques d'effondrement. Bon, par contre, lui, c'est comme Piero San Giorgio, il faut se méfier ensuite de ce qu'il propose comme solution, parce qu'il dérive un peu vers le fascisme, mais c'est quand même, ça reste quand même intéressant, c'est pour ça que je le garde comme une source, parce que son travail sur les 5 stades de l'effondrement sont intéressants. Selon lui, quand il y a une perte de confiance dans le système bancaire, on peut aboutir à un effondrement financier. Et si, derrière, le marché n'arrive pas à rétablir la chose, on peut perdre confiance carrément dans le marché, dans les mécanismes de marché, et ça peut aller jusqu'à un effondrement économique et commercial.
À ce moment-là, c'est l'État qui doit prendre le relais. Si l'État n'arrive pas à gérer cette situation, on peut perdre la confiance dans les institutions. Et derrière, ça peut être un effondrement politique. Si ça va encore plus loin que ça, on peut perdre la confiance dans les solidarités sociales locales, parce que si l'État ne fonctionne plus, c'est au niveau local que ça se réorganise. Mais si ça ne marche pas ou pas bien, et si on arrive à perdre cette confiance-là, ça peut aboutir à un effondrement qu'il appelle social. Et puis même encore plus loin, si vraiment les gens du coup perdent toute confiance dans l'humain, on arrive à un effondrement culturel. Ça, dans l'histoire, ça s'est peu ou pas, quasiment jamais produit, a priori, peut-être une fois. C'était la civilisation des Hicks, I-K-S. Et je n'y connais rien, donc ce n'est pas mon domaine. Si vous voulez aller regarder, je vous laisse le faire. Mais de manière générale, quand même, arriver, aboutir à un monde hobbesien, où c'est vraiment l'homme est un loup pour l'homme, homo mini lupus est, non, ça n'arrive quand même pas très souvent. C'est très rare. Mais par contre, l'effondrement du bloc soviétique, ça a été un effondrement de rang 3 ou 4, par exemple. Et en parallèle de tout ça, évidemment, on a un effondrement écologique qui se passe en parallèle de tout ça. Donc voilà un petit peu comment on peut modéliser. Et vous voyez, c'est par perte de confiance successive, des fois ça se joue à vraiment pas grand-chose, le basculement d'un état stable vers un état instable. Et donc, résilience. Et donc, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il va falloir développer ça. Je vous en ai parlé tout à l'heure, je ne vais pas redéfinir le mot. Je vais vous dire, par contre, quels sont les fondamentaux de la résilience. C'est-à-dire, si vous voulez construire des systèmes résilients, qu'est-ce qu'il faut que ces systèmes aient comme propriété? Bon, déjà, il faut qu'il y ait des tampons. Alors, des tampons, ça veut dire quoi dans ce domaine-là? Ça veut dire des stocks. Voilà, ça veut dire qu'il faut avoir des stocks de choses vraiment utiles, des choses vitales. Si vous avez une certaine maladie qui vous demande de prendre un comprimé pour le cœur tous les jours, eh bien, il faudrait idéalement, pour faire un stock de ces comprimés, en avoir un peu d'avance, ce qui n'est pas facile. Mais c'est également des stocks d'eau, des stocks de papier toilette, des stocks de bouffe, etc. Je ne dis pas qu'il faut que tout le monde se mette à stocker chez lui comme un fou, là, comme les preppers américains. Voilà. Je dis juste que c'est même vachement mieux si ça peut s'organiser collectivement plutôt que chacun dans son coin. Et ce n'est pas une solution. C'est juste que ça permet de passer des caps, des seuils, des passages difficiles, et donc de lisser la courbe. Donc c'est important d'avoir des tampons. La deuxième chose, ce sont les barrières. En fonction de là où vous êtes soumis à des menaces spécifiques qui sont propres à l'endroit où vous êtes et que vous devez idéalement connaître. Et typiquement, si vous êtes en bas d'une montagne, il peut y avoir des avalanches, bon, il faut construire quelque chose pour vous prémunir contre l'avalanche. À Fukushima, les digues pour prémunir d'un tsunami, ce sont des barrières. Ensuite, très important, l'information. Il faut avoir une maîtrise de l'information. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut produire de l'information, communiquer, et puis être à l'écoute de ce que produisent les autres comme information, avoir des systèmes de partage de l'information pour pouvoir savoir ce qui se passe au loin, ce qui vient vers vous, aussi bien les choses qui sont positives, que vous puissiez en profiter, que les choses qui sont négatives, que vous puissiez vous mettre à l'abri ou appeler à l'aide, ou que vous puissiez aller aider. Parce que ce qui compte au final, c'est quoi? C'est la redondance et le réseau. J'aurais dû le mettre dans l'autre sens. On va parler du réseau d'abord. Ce qui compte, c'est le réseau. Il faut construire des réseaux de complémentarité, de solidarité entre entreprises. Aujourd'hui, on est dans la rivalité pure et dure. Ça ne marche pas. La rivalité, ça marche quand on est dans un monde d'abondance. Quand on est dans un monde en contraction, ça ne marche plus. Ça, c'est, je vous renvoie, si vous voulez, à l'évolution et ce qu'on appelle l'évolutionnisme R sur K. Mais passons, c'est trop compliqué. Il faut construire des réseaux de confiance, là encore. Ça s'anticipe, la construction des réseaux, ça ne s'improvise pas. Et au sein de ces réseaux, on partage notamment l'information. Ensuite, il y a la redondance, effectivement, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas d'un truc vital, et si jamais il tombe en rade et on est foutu. Donc évidemment, tout ce qui est vital, il faut le doubler, voire le tripler. Et il faut que ce soit réparable dans la durée. Là encore, qu'on ne dépende pas pour la maintenance de quelque chose d'une compétence qui est à l'autre bout du monde ou d'un flux d'approvisionnement qui vient de l'autre bout de la planète, qu'on ne maîtrise pas. Et enfin, des usages efficaces et de la sobriété, qu'il faut se reposer les bonnes questions sur ce qu'on veut vraiment faire, ce qui nous rend vraiment heureux. C'est, je vous le dis, il faut à un moment faut se poser la question sur c'est quoi le sens de la vie en réalité. Voilà. Donc, aujourd'hui, toutes les questions qu'on se pose, c'est comment. Comment on fait les choses? Comment on résout un problème? Et on est super fort pour ça. Mais personne ne pose plus la question de pourquoi. Pourquoi? En deux mots. Donc, posez-vous cette question à titre personnel, à titre collectif, discutez-en.
Parce qu'il faut définir un projet. Pourquoi on fait les choses? Est-ce qu'on est juste pris dans une course en avant et on y va comme des glands? Excusez-moi, mais on ne sait pas où on va. Et en fait, c'est un syndrome de la reine rouge. C'est comme dans Alice au Pays des Merveilles. Il faut courir toujours plus vite pour faire du surplace. C'est une course ingagnable qui nous rend fous. Soit on prend un peu d'auteur, on réfléchit à pourquoi on fait les choses vraiment. On essaie de trouver du sens et de la cohérence. Pour construire l'avenir, c'est des hommes et des femmes avant tout. Et donc, il faut prendre soin les uns des autres. Si vous mettez en place des logiques de rapport de force, des logiques de domination comme celles qui polluent ce monde, que ce soit la domination de l'homme sur la nature, bête et méchante, barbare à plein d'égards, que ce soit la domination de certains groupes d'hommes contre d'autres groupes d'hommes, que ce soit du patriarcat, il faudrait repenser un peu ces rapports de domination parce qu'ils pourrissent nos capacités de résilience. Une fois de plus, je ne dis même pas ça parce que mon idéologie me pousse à être plutôt pour la paix des ménages et pour la paix entre les pays et les peuples. C'est même pas ça. C'est juste que s'il y a des rapports de domination qui s'installent, il y a des rapports d'exploitation qui suivent. Et l'exploitation débouche toujours sur la surexploitation. Et donc, on franchit des limites. Et on recrée les mêmes instabilités. Le ver est dans la pomme dès le départ et ce n'est pas résilient à terme. Il y a une chose que peut peut-être faire une école, je vous adresse à vous là, c'est vraiment développer la pensée système chez les élèves. Aujourd'hui, cette pensée système, elle fait cruellement défaut partout. Elle n'est pas véritablement incorporée au programme de l'éducation nationale. Elle n'est pas dans les entreprises. Il n'y en a presque pas. Et les élites en sont totalement dépourvues. C'est quand même terrible. On pourrait se dire qu'on est en droit d'attendre des élites qu'elles aient ça en tête. Mais ce sont des exceptions qu'on a en tête. Les gens continuent de régler des problèmes de manière séparée, en silos, avec des silos disciplinaires, des silos sectoriels, et on traite les problèmes les uns après les autres. Sauf qu'un système complexe, un gros système, si on change quelque chose là, ou si on rajoute quelque chose là, ou on enlève quelque chose là, qu'est-ce qui se passe? Oui, il se réadapte, il reprend la forme, peu ou prou. Hein, il ne se change pas fondamentalement. À chaque fois qu'on change un truc, bloup, comme un blob, il vient reprendre l'espace. On ne peut pas changer le système en changeant un truc là, puis un truc là, puis un truc là, puis un truc là. Ça ne marche pas. Le système se réapproprie l'espace. Donc faut-il... Comment on fait pour changer le système? Il faudrait pouvoir changer le système intégralement au niveau mondial d'un seul coup. Là, demain, hop, le système est changé, on part sur d'autres choses. Les règles d'interaction sont changées. Dans les règles d'interaction, il y a les lois, les normes, les technologies. Il y a également toutes les cultures. Tout ça, hop, changé. De manière coordonnée, concertée au niveau mondial. Alors personnellement, je pense que ça n'arrivera pas. Il y a des gens qui pensent que ça peut arriver par une espèce d'illumination collective. Il y en a. Personnellement, je pense que ça n'arrivera pas. Et donc, j'en arrive à cette conclusion. On ne peut pas changer le système. Le système est extrêmement fort pour s'auto-organiser et s'auto-maintenir. On ne peut pas changer le système. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Dans ce cas-là, on change deux systèmes. On en crée un nouveau. Ce n'est pas en essayant de changer un système en place qu'on y parvient. C'est en proposant une alternative et en la rendant inspirante. Il faut construire quelque chose de nouveau. La démarche est une démarche de hacker, quelque part. Utilisez ce que le système en place a de mieux à vous proposer, utilisez-le contre lui, si vous voulez, mais pour construire quelque chose de neuf. Cette alternative, ou plutôt ces alternatives, un ensemble de sociétés reterritorialisées qui font sens à la bonne échelle. La juste échelle, c'est le territoire. Si on fait ça avec quelques potes, la résilience est inatteignable. Beaucoup trop compliqué. Beaucoup trop de compétences requises pour être résilient. Donc on n'est pas durablement résilient, en tout cas, même si on arrivait à l'être. Non. Et puis si c'est à l'échelle d'un pays, même d'une région française, c'est trop grand. De nouveau, on retombe dans l'usine à gaz et la dépendance dans les chaînes d'approvisionnement de l'autre bout de la planète. Donc non, c'est le territoire qui est la juste échelle. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est sur les territoires de construire des nouvelles sociétés où on repart de zéro. On repart de la feuille blanche, on peut faire ce qu'on veut, profitons-en.
On recrée même, si on veut, nos modalités de gouvernance, nos modalités de rapport les uns avec les autres et avec le reste du vivant. Et on reconstruit d'autres sociétés. Vous savez quoi ? Tout le monde va rire au nez des gens qui font ça. Normal. La plupart des gens ne seront pas intéressés par ça. Voilà. Mais à mesure que ce monde-ci va se tendre et devenir de plus en plus difficile, le seul, à mon sens, le seul pari sensé que l'on peut faire, c'est parier que, comme par osmose, progressivement, dans les années qui viennent, peut-être les décennies, les gens vont basculer d'un système vers une alternative. Celle-ci va grossir, atteindre une masse critique, et elle va s'imposer naturellement. Pensée système. Je passe sur la suite parce que c'est moins important. Courage, bienveillance, voilà, ça serait pas mal. Équilibre avec le vivant, je dis juste ça au passage. Je suis profondément convaincu, mais je l'ai déjà un petit peu évoqué, que si on ne revoit pas notre rapport au non-humain, également, on se tire une balle dans le pied. Voilà, on ne vivra pas sans les autres espèces. Il faut les protéger. Pour les protéger, il faut s'y intéresser un minimum. Et donc, il faut les respecter un minimum. Voilà, je pense que penser que l'homme est maître et possesseur du vivant qui n'est là que pour nous servir est un problème. Donc, je n'ai rien contre les gens qui s'intéressent à l'humain, mais l'obsession exclusive de l'humain, aujourd'hui, dans un monde en atteinte de limite comme c'est notre cas, c'est un problème. Tout ça, ça se passe dans la sphère des idées, ce que je viens de vous dire, c'est des idées qu'il faut changer radicalement sur notre façon de voir les choses. Il faut faire exploser un certain nombre d'idées préconçues qu'on avait, se libérer d'un certain nombre de dissonances cognitives qui non seulement font que notre monde n'est pas durable, mais en plus qui nous condamnent au malheur. Voilà. On ne peut pas être heureux si on est en dissonance cognitive. Donc, allez-y, créez quelque chose de nouveau, ensemble, hein. Créer des groupes, on va voir ça juste après pour finir, parce que je suis sur la fin de ma présentation. Sortir de l'idée qu'il y a des solutions aux problèmes dont je vous parle. Alors une fois de plus, il y a pas mal de symptômes dont il faut se préoccuper, le climat, le machin. Et là-dessus, pour ces symptômes-là, oui, il faut trouver des traitements. Pour autant, il faut aussi qu'il y en ait qui s'intéressent à la cause systémique. Et il n'y a pas une solution qui sortira d'un labo. L'innovation, aujourd'hui, elle doit être vraiment novatrice. Innovation. C'est-à-dire, c'est pas juste continuer les mêmes logiques d'innovation. Il faut, je vais lire un petit peu là parce que j'ai pas tout ça en tête, mais il faut, vous, si vous voulez innover demain, il faut que votre cahier des charges soit beaucoup plus riche et beaucoup plus exigeant que celui qu'on va vous donner. Il faut que ce soit économe en matériaux, surtout en matériaux rares. Il faut idéalement que les matériaux dont on a besoin pour la maintenance de ce que vous allez construire soient disponibles à proximité. Il faut qu'il y ait une économie en énergie fossile, une simplicité technologique maximum. L'idéal, c'est même que les plans et les manuels de réparation soient disponibles à tout le monde. Il faut incapaciter les gens, il faut les mettre faut les autonomiser en réalité le plus possible. Faire en sorte que l'empreinte écologique, et ce n'est pas juste les émissions de gaz à effet de serre, donc, soit minimale au cours de tout le cycle de vie, et également les externalités négatives. Il faut que ce soit modulaire, il faut que ce soit réutilisable, réparable, recyclable, interopérable. Et il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Trouver des moyens, des champs d'expérimentation. Trouver le meilleur compromis entre la performance et la prise en compte de tous ces facteurs que je vous dis là. Ce n'est pas forcément le plus performant qui est le mieux. C'est le juste équilibre entre un niveau de performance acceptable et tout le reste. Parce que le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est un monde qui a produit énormément de bienfaits. De confort, les avancées de la médecine, l'éducation dont on parlait tout à l'heure. C'est un monde, évidemment. Qui va vous dire ben, pourquoi décroître ? La croissance a permis ça. Non, déjà, c'est faux. Ce n'est pas la croissance, juste la croissance qui a permis ça. La croissance, elle n'est positive, elle a des effets sur le bien-être des populations observables que jusqu'à un PIB par habitant d'environ 15 000 $. Au-delà, si le PIB augmente, nous, on est aujourd'hui à entre 35 et 40 000 $, je ne sais pas exactement, en France, au-delà de 15 000, on ne voit pas véritablement de lien entre l'augmentation de la croissance économique et l'augmentation du bien-être. Bon. Mais donc, OK, pour les pays aujourd'hui qui sont pauvres, oui, il faut qu'ils se développent et il faut donc qu'ils croissent. Mais pas que, évidemment. Il faut aussi qu'il n'y ait pas d'inégalité. Parce que s'ils croissent, mais si toute la richesse est prise par une élite corrompue, par exemple, pour donner un exemple, ça ne fonctionne pas. Non, mais les gens qui diront qu'on ne va pas remettre en question tout de même notre modèle de développement, il fonctionne, regardez. Non, il ne fonctionne pas. Il a des externalités positives et il a des externalités négatives.
des dégradations extrêmement fortes que l'on a faites au système de support de vie de notre planète, qui est un petit vaisseau spatial au milieu de l'espace. Hein. Et on a choisi, idéologiquement, politiquement, de ne regarder que le positif et de masquer quasiment tout le négatif. Et donc, on peut croire que, ben oui, on peut croître. On peut croire qu'on peut croître, indéfiniment. Sauf qu'aujourd'hui, le problème, c'est que les effets négatifs ont atteint, je vous ai déjà dit, je vous l'ai expliqué, la limite de la capacité à encaisser de la planète Terre. Et donc, on commence à comprendre que ce système n'est plus viable du tout. Il faut changer de logiciel totalement. L'innovation, c'est de l'innovation technologique, mais c'est aussi de l'innovation collective, l'innovation conceptuelle, de l'innovation de gouvernance multi-échelle, c'est un concept de l'innovation sur l'organisation des sociétés. Voilà, il faut rentrer dans des logiques de commun pour avoir un progrès aussi un peu partagé. Oui, d'accord, ok. Parce que ça veut dire quoi, les communs? Ça veut dire que tout ce qui est vital, l'eau, la bouffe, le sol, les graines, éventuellement l'énergie, toutes ces choses-là doivent être impérativement sorties des logiques de marché, des logiques de spéculation. Mais c'est fou. On parle de choses vitales. Il faut que ce soit préservé. On pourrait croire naïvement que ce serait le rôle d'un État, idéalement. Bon, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le rôle d'un État n'est officiellement écrit, a priori, nulle part. Et il s'en moque bien. Donc aujourd'hui, on est tenté de dire on a les solutions parce qu'on est super fort en techno, en politique, etc. On va faire de l'innovation à tout craint. Et voilà. Mais la réalité, c'est qu'on a nos outils qui sont les nôtres. On veut être utile. On veut que nos outils soient utiles. Alors on transforme la perception qu'on a du problème pour que nos outils soient utiles. Et il y a un dicton qui dit « Quand votre seul outil est un marteau, tout problème ressemble à un clou. » Voilà. Sauf que ce n'est pas un clou, c'est une vis. Et qu'on tape dessus et qu'on est en train d'exploser le bois. Hein, pour aller jusqu'au bout de ma métaphore. Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est pessimiste, ce que je vous dis? Moi, je suis pessimiste pour ce monde-ci, il n'a aucun avenir. Soit, une fois de plus, on accepte qu'il est fini ou qu'il va bientôt l'être, et on peut l'anticiper, qu'on peut gérer le passage à autre chose, et ce ne sera pas un effondrement humain généralisé, on peut s'en sortir et même retrouver une possibilité de bonheur en sortant de ces dissonances cognitives qui nous tuent. Soit, effectivement, on n'anticipe rien, et là, ça va être problématique. C'est pourtant ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. On n'anticipe rien. Ce n'est pas pessimiste. Le pessimiste, pour moi, c'est celui qui pense qu'il n'y a pas d'alternative à ce monde-ci. Et qui pense que si on dit que ce monde-ci va s'effondrer, alors on enlève tout espoir aux gens. Ben non. Plein d'espoir à avoir, mais pour autre chose. À construire ensemble. Pour ça, il faut proposer de nouveaux imaginaires. La nouvelle civilisation, c'est sortir des logiques de croissance qui n'ont plus aucun sens. Il faut choisir ce qu'on veut faire croître et choisir ce qu'on veut faire décroître. Et de marchandisation, on va mettre un prix à la nature et ça va permettre de la sauvegarder. Non, on va spéculer dessus comme on l'a toujours fait. Il faut sortir de ce récit qui dit que la technologie est la solution nécessairement. Ce n'est pas vrai, elle a son rôle à jouer, mais la solution ne peut être que systémique. Il faut sortir du solutionnisme une fois de plus. Juge le solutionnisme. C'est une façon de maintenir le système en place. Il faut se poser la question, quels sont les vrais problèmes, quels sont les vrais, qu'est-ce qui ne constitue que des symptômes? Il faut donc poser les bonnes questions. Voilà. Bottom up, ça doit partir du bas. Ce n'est pas pour vous mettre la pression, mais ça ne peut que partir du bas. Alors cela dit, il y en a qui veulent quand même s'engager en politique très haut, qui veulent quand même peser sur le politique, voire essayer de pénétrer le monde politique pour le changer de l'intérieur. Et je ne peux pas démontrer que ça ne peut pas fonctionner. Donc faites-le. Je ne vous en empêche pas. Faites-le. Et si vous y arrivez, ben alors là, chapeau, parce qu'effectivement, s'il y a quelqu'un un jour en haut qui devient un facilitateur de cette grande transition en bas, ça va faciliter vachement les choses. Mais n'attendons pas que ça se produise. N'attendons pas que cette personne arrive. Donc, faisons les choses d'en bas et inspirons. Il faut un récit parallèle pour inspirer. De nouvelles valeurs, de nouvelles règles de vivre ensemble, de nouveaux savoir-faire. On peut apprendre plein de choses très utiles aujourd'hui. Ce ne sont pas juste faire du data mining, mais vraiment des choses utiles qui font fonctionner la tête et les mains. Et c'est hyper intéressant, c'est hyper enrichissant. Moi, j'ai appris à fabriquer une charpente. C'est génial. On est sorti du méta-concept et j'ai appris comment on faisait une charpente. J'ai fait de la permaculture, bon...
C'est assez génial, la permaculture. On apprend plein de choses, c'est passionnant. Il faut changer l'éducation. Là, ça se passe un peu ici. Mettre en avant la créativité. Ça, on ne le met pas assez en avant dans les écoles d'ingénieurs. La créativité, l'esprit d'initiative, la coopération également, travailler ensemble. Ça, c'est super intéressant dans les écoles d'ingénieurs. Il faut que les écoles d'ingénieurs, notamment, pas qu'elles, mais notamment, forment les élèves à la création de résilience collective, à la pensée systémique, comme je le disais. Et évidemment, en plus de ça, à tous les autres problèmes, le climat et compagnie. Et puis, il faut de nouveaux héros. Ça peut être vous. Des gens pour incarner ces nouvelles échelles de valeurs et pour inspirer une œuvre collective et une responsabilité individuelle. Ma dernière phase, elle est très rapide. C'est quelques secondes après. Voilà, je vais arrêter parce que je suis à 2 heures à peu près là, je crois. Bon, donc encore 5 bonnes minutes et puis après, il y aura des échanges questions-réponses. La sphère du faire, parce que c'est bien gentil de changer son mindset, son état d'esprit, mais il faut aussi faire des choses pour montrer. Donc moi, je vous engage à construire des alternatives inspirantes. Voilà. Et allez jeter un coup d'œil, par exemple, du côté du réseau des villes et territoires en transition. Toutes les solutions ne sont pas là, mais il y a un état d'esprit qui est extrêmement bon. On peut commencer par ça. Allez jeter un coup d'œil à ça. Et puis, surtout, n'importe qui peut faire ça, commencez à organiser des conversations dans votre entourage. Donc, conversations sur c'est quoi les risques auxquels on est confronté, les limites et les vulnérabilités, mais également nos forces, nos richesses, nos ressources. Et vous allez voir que si vous parlez de ça, progressivement, pas du premier coup, mais en quelques réunions, des idées vont émerger, des prises de conscience vont émerger et des projets concrets qui font sens là où vous êtes vont émerger. Et vous devez poser cette question. Ça, c'est la question clé dans tout ce que vous entreprenez. Que peut-on faire pour vivifier notre communauté et la nature et pour tendre vers l'autosuffisance territoriale d'une manière ou d'une autre? C'est vers ça que vous devez tendre. Vous racontez des histoires parce que les récits influencent nos perceptions de l'avenir et qu'il faut faire un choix entre ça, cette vision-là de l'avenir, cette vision-là de l'avenir, cette vision-là de l'avenir, et peut-être d'autres choses qui font peut-être moins envie aujourd'hui, mais où on fait des choses ensemble et on construit des résiliences territoriales. Aujourd'hui, il y a un rétrécissement des possibles dans ce monde et ça entraîne une perte de repères. Cette perte de repères implique, impose une construction collective de sens, et dans ce contexte, de nouveaux récits se forment. Ils ne vous attendent pas, ils sont déjà en train de se former. Le problème, c'est que ce sont des récits qui, pour beaucoup, sont terrifiants. Des récits de « soit je me bunkerise, et voilà, c'est moi contre les autres, les étrangers, je veux pas d'étrangers, etc. » Soit ce sont des récits de « tout est possible ». Donc la guerre, quelque part, des imaginaires de l'avenir a commencé, et on a besoin aujourd'hui d'imaginaires inspirants, vecteurs d'espoir lucide. Donc ceux qui me disent « il n'y a pas d'espoir », faux, il y a de l'espoir. Pour d'autres choses. Je vais passer rapidement sur les slides suivants et terminer là-dessus. Il y a 3 clichés qui sont extrêmement négatifs sur qu'est-ce que devraient être les récits qu'on se raconte pour essayer justement de se projeter dans des alternatives, dans des futurs alternatifs. Soi-disant, il faudrait que ce soit positif. Il ne faudrait surtout pas embêter les gens avec des choses négatives. Et puis, il faudrait que ce soit surtout pas anxiogène. Et puis, accessoirement, il faut donner de l'espoir. Ben oui, il faut donner de l'espoir aux gens. Alors là-dessus, 3 choses que je veux dire, parce que vous devez incorporer dans ce que vous allez faire la dimension inspiration, la dimension récit, d'une manière ou d'une autre. Si vous entreprenez des choses, documentez les choses, racontez votre histoire, les réussites, j'espère que vous réussirez à faire des choses novatrices qui vont vers la résilience territoriale collective et la dignité. Si vous réussissez à faire ça, il faut que les gens le sachent. Donc communiquez, soyez inspirants. Donc, il ne faut pas que ce soit positif, il faut que ce soit inspirant. Et on peut être inspiré par bien d'autres choses que le positif. Le beau, le noble, le grand, l'indignation, certaines formes de colère peuvent être très inspirantes. Il ne faut pas s'en priver. La peur, elle est utile. Donc le but n'est pas de faire peur. Si des gens ont comme objectif de vous faire peur, effectivement, il faut se poser des questions. Mais juste dire les choses telles qu'elles sont en prenant les gens pour des adultes, ce que je fais aujourd'hui, ben oui, ça fait peur. Je suis désolé, ça fait objectivement peur. Mais la peur est utile si derrière, vous mettez en place des systèmes résilients, comme je vous ai dit. Et ça peut prendre différentes formes. Pour la production de bouffe, agroécologie, agroforesterie, maraîchage sur sol vivant, permaculture, faites des coopératives de création collective d'énergie au niveau territorial. Mettez en place des systèmes économiques courts, où vous avez des producteurs qui se connaissent, qui connaissent les consommateurs. Ça se construit au niveau territorial. Les monnaies locales. Pas mal de choses à mettre en place. Et la technologie là-dedans,
et l'ingénierie là-dedans a son rôle à jouer, parce qu'il y a des disruptions qu'il va falloir gérer sur les écosystèmes, sur les infrastructures, et vous pouvez faire cette optimisation sous contrainte, et vous seul en réalité pouvez le faire. Enfin, le dernier truc, il faut de l'espoir, oui, d'accord. Mais il y a des gens, à force de dire ça, ils veulent à tout prix créer de l'espoir, ils se mettent à créer n'importe quoi comme espoir, des espoirs délirants. Et on va dire, ouais, c'est possible, ça va être super. Oui, mais c'est mentir aux gens que d'imaginer qu'il y a des solutions simples et faciles. Les espoirs doivent être lucides, sinon, peut-être qu'ils mobilisent plus à court terme, mais ils démobilisent à moyen terme quand les gens réalisent qu'ils ont investi des espoirs qui n'étaient pas fondés. Donc voilà, c'est un décalage mental qu'il faut mettre en place, sortir de logiques d'artificialisation pour des logiques de régénération de la nature. Et accessoirement, je ne sais pas si vous avez entendu parler du manifeste étudiant pour un réveil écologique, vous pouvez rejoindre ça, aller jeter un petit coup d'œil, c'est une pierre à l'édifice. Et je vais terminer, ça c'est pas grave, juste en vous disant qu'il y a aussi une forme de résistance à mettre en avant. Et tout à l'heure je vous montrais la mine en Allemagne, et bien en juin dernier il y a 6000 militants de l'Europe tout entière qui se sont réunis là-bas et qui ont réussi à bloquer la mine pendant 48 heures. Bon. C'est un échec, c'est une réussite, je vous laisse juger, mais peut-être un début. Mais en tout cas, il y a des gens qui sont prêts à y aller, quoi. Et que vous soyez un activiste dans l'âme ou pas, il y a un moment, il faut se réveiller. Un moment, il faut se réveiller, parce qu'on est à une croisée des chemins, et c'est le déclic ou le déclin. Je vous remercie. Bravo. Bien, merci beaucoup pour cette conférence. Un panorama extrêmement riche et complexe, et on ne doute pas que vous aurez encore quelques questions tout de suite d'ailleurs à poser. Donc il nous reste à peu près 15-20 minutes, on vous demande de rester, de toute façon le temps est un peu horrible pour sortir, c'est dommage. Donc Spanier va passer, s'il y a des questions, levez la main, on vous envoie un micro. Et voilà. On va faire les questions deux par deux, donc voilà. Bonsoir. À part faire une charpente de la permaculture, est-ce que vous avez des vrais projets pour vous, Des vrais projets quoi? Des vrais projets de créer une petite société, comme vous en avez parlé quoi. Moi? Oui. Écoutez, moi, je peux pas être partout. Donc effectivement, il y a une limite à ce que je peux entreprendre. Et aujourd'hui, je suis plus sur essayer de. En fait, ce que j'essaie de faire, moi, c'est la chose suivante, c'est j'essaie de faire circuler certaines conceptions, certaines prises de conscience, et d'équiper les gens. Alors là, ce n'est pas forcément le cas de manière très facile, mais ce n'est pas pour faire ma pub, aller sur Internet, il y a 2-3 vidéos de moi qui sont faites pour ça, que j'ai faites pour équiper les gens d'outils, les outils ce sont ces vidéos, que ne vont voir dans un premier temps que les convaincus, parce que je n'ai pas accès aux autres, ou en tout cas les gens qui sont sensibilisés, mais qui sont en fait de telle manière que ces gens-là ensuite sentiront qu'ils peuvent partager ça à des gens qui n'en ont jamais entendu parler ou qui ne veulent pas ou qui sont réfractaires. Donc j'y arrive pas toujours, mais moi mon travail il est là aujourd'hui. C'est faire une forme d'innovation pédagogique sur ces sujets pour essayer d'équiper les gens pour qu'ensuite... Bon. Et à côté de ça, j'aimerais beaucoup pouvoir être à la fois un penseur, un communicant, quelqu'un qui raconte aussi... et un faiseur, sauf qu'on n'a que 24 heures par jour. Et donc, je peux pas vous dire que moi, j'ai un projet pour sauver le monde, si vous voulez. Par contre, je travaille avec des gens qui le font. Et je les mets en avant dès que c'est possible. Donc, il y a des gens qui, aujourd'hui, entreprennent des choses qui sont vraiment intéressantes. Après, avec plus ou moins de réussite, des fois, il y a des problèmes humains, vous savez. On passe facilement du PFH au PFH, du précieux facteur humain au putain de facteur humain. En fait, ça dépend de comment ça se passe. Des fois, ça se passe bien, des fois, ça se passe mal. Donc, je vais vous donner quelques exemples. Et dans ces exemples, ce n'est pas exemple problème. Mais par exemple, il y a des gens qui ont un projet qui s'appelle le projet Terra, T-E-R-A. Allez jeter un coup d'œil sur Internet. Vous voyez, c'est vachement intéressant. Parce qu'ils font des choses au niveau territorial. Il y a la ferme du Bec-et-Loing qui est intéressante. Non pas parce que c'est un centre de formation en permaculture dont certains de vous auront peut-être entendu parler. Le lieu est très chouette, il est très beau, c'est inspirant, tout ça. Ok, très bien. Et ce n'est pas pour ça que je parle du Bec-et-Loing. Je le parle parce qu'ils ont une logique, là encore, d'organiser la résilience à l'échelle territoriale. Et ce n'est pas juste une ferme.
Il y a un truc qui s'appelle la suite du monde. La suite du monde, allez jeter un coup d'œil. Il y a des communes qui ont fait des choses vachement chouettes. Los Angoël, Langouette, petit village, hein. Ungersheim en Alsace. Et puis il y a des élus qui se mobilisent sur ces questions-là. Il y a quelqu'un qui travaille sur la mobilisation des élus. Allez jeter un coup d'œil à ce qu'il fait, je trouve ça super. SOS Maire, ça s'appelle. Maire, M-A-I-R-E-S. Il s'appelle Alexandre Boisson. Et Alexandre Boisson, lui, son travail essentiel, parce qu'il n'est pas que là-dessus, mais son travail essentiel consiste à aller voir des élus pour leur dire rentrer dans une démarche de résilience territoriale. Alors les gens disent, bah, que ça veut dire, tout ça, ils ne comprennent pas trop, donc on essaie de leur expliquer un petit peu. Mais qu'est-ce que je peux faire? Déjà, vous sortez du déni que ça ne peut pas arriver, qu'il n'y a pas de rupture d'approvisionnement qui pourrait se produire, qui mettrait en danger les gens qui vivent sur votre territoire. Et si ça se produit, comprenez bien que vous, en tant qu'élu, vous serez mis sur le... Bon, sur la sellette, je ne sais pas comment dire, et vous serez aux premières loges. Donc, mettez en place une logique de transition sur votre territoire. Mais comment je fais? Moi, je suis un tout petit élu, je n'ai pas de moyens. Mais vous n'avez pas besoin de moyens. Ce que vous faites, c'est que vous communiquez officiellement que sur votre commune, vous êtes prêt à accueillir des projets de transition vers plus de résilience collective territoriale. Et vous en aurez, et les gens vont se débrouiller. Le tout, c'est de leur donner ou de leur prêter un terrain ou deux, peut-être même de leur louer ou de leur vendre. En fait, ça peut même rapporter de l'argent à la commune. Donc allez regarder ce que fait SOS Maire, entre autres. Il y a des gens qui essayent vraiment de changer la manière dont les territoires fonctionnent. Moi, je travaille avec eux, je ne suis pas ou pas encore l'un d'eux. Okay. Excusez-moi, j'ai aussi une question, bonjour. Oui. Ces derniers temps, on entend pas mal parler, je trouve, d'un potentiel nouveau krach boursier. Moi, je n'ai pas du tout les compétences pour juger si c'est une vraie menace ou non, mais je voulais tout simplement vous demander, ces crises économiques, est-ce qu'on doit voir ça comme une opportunité pour mettre en place des structures résilientes ou comme une véritable catastrophe qui ne va pas du tout arranger la chose? Non, mais déjà, il n'y a pas une réponse objective à ça, et bon, ça dépend des points de vue. Le fait qu'il y ait un risque d'effondrement bancaire, boursier, est réel. Le fait qu'il soit imminent, bah, est réel. Donc je ne sais pas si ça va se produire, je ne suis pas devin. Mais je sais que c'est possible. Je sais qu'il y a bon nombre de spécialistes dont je ne fais pas partie. Par contre, je lis beaucoup ce que eux écrivent. Bon nombre de spécialistes du système financier, bancaire, qui s'alarment du fait qu'on a aujourd'hui dépassé, à certains égards, certains seuils qui ont créé l'effondrement de 2008, et que du coup, ce n'est qu'une question de jours, de semaines, de mois, avant qu'il y ait un effondrement qui serait bien supérieur en termes de volume concerné que celui de 2008. Or, pour que celui de 2008 ne débouche pas sur un effondrement bancaire systémique, il a fallu que les États mettent sur la table plusieurs dizaines de milliers de milliards de dollars, chose qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Et bien malin, là encore, celui qui dira ce qui va se passer, quand et comment. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Oui, le risque d'un effondrement bancaire est sérieux. Ça peut déboucher même sur un effondrement monétaire. En tout cas, pour le dollar, il y a un gros risque. Donc si le dollar perdait sa position de monnaie d'échange, ce serait un remaniement total de la carte du monde, la carte géopolitique du monde, assez rapide. Et à mon avis, ça ne va pas se faire dans la joie et l'allégresse. Mais ce sont des risques, avec une proba qui est très difficile à évaluer et impossible. Donc je ne peux pas en dire plus que ça. Bonjour. Oui. Merci pour cette conférence, c'était super. Ça a bien brossé le tableau, c'était très, très sympa. Je voulais vous demander, donc moi dans 2 ans, techniquement je serai ingénieur en exploitation des ressources minérales en France. Comment moi, avec le métier que je vais exercer, c'est-à-dire exploiter des cailloux dans un immense trou, faire en sorte que mon impact soit local et que mon territoire puisse être résilient? Question compliquée. Je viens ici et j'enseigne des... Je ne viens pas qu'ici, je fais des conférences ou des cours, ou des fois je fais du conseil, dans des contextes extrêmement variés. Je ne raconte pas toujours exactement la même chose, n'empêche que les fondamentaux restent les mêmes de ce que j'enseigne. Et je n'ai aucune solution pour personne, que ce soit clair, je n'ai aucune solution pour personne. J'ai des grands
fondamentaux. C'est mon expertise, elle est méta, c'est une méta-expertise. Ensuite, il faut des gens qui ont des expertises dans des secteurs donnés, sur un territoire donné, avec un contexte donné, etc. Je dis expertise, mais ils doivent avoir une connaissance pointue de tout ça. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, il faut l'avoir. Donc, où que vous soyez, faites à minima une matrice SWOT de là où vous êtes. Matrice SWOT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est évaluer les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de là où vous êtes. C'est très schématique comme méthode, mais c'est déjà un bon début pour essayer de voir donc, effectivement les problèmes et les possibles. Ça, c'est votre expertise à vous, et c'est au croisement des deux qu'il peut se passer quelque chose. Donc, si vous voulez qu'on ait un jour un début de réponse intéressant à ça, eh ben, on constitue un groupe de travail, on met autour de la table des gens comme vous et des experts ou des professionnels de ce milieu-là, et éventuellement également on fait représenter des parties prenantes qui sont concernées par ce genre d'activité sur un territoire donné, et un type comme moi, qui vient, qui fait son petit baratin au début, qui met tout le monde au clair sur ce qu'il faut, ce qui marche, ce qui ne marche pas, et ensuite, moi, une fois que j'ai fait ça, moi, je suis juste là pour dire oui, non, pourquoi, c'est tout, mais c'était à vous de faire le travail. Et je suis navré de ne pas avoir mieux que ça. Bonjour. Où ça ? Ici. Ah. Bonjour. Du coup, moi, j'avais une question. En fait, vous avez parlé d'effondrement donc, de la société possible. Vous avez parlé, je crois, pour les ressources alimentaires, l'occurrence qui serait environ 2030, je crois. Mais vous n'avez pas parlé pour La FAO risque de pénurie alimentaire mondiale dans les 10 prochaines années. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais vous n'avez pas donné de chiffres pour le pétrole ou les métaux, en fait. Il n'y a peut-être pas de chiffres précis. Non, mais il n'y en a pas. Mais ce sont... J'ai un problème avec des gens qui font des prévisions ou des prédictions. Voilà. J'ai un problème avec ces gens-là qui vont dire il va se passer ça en telle année ou avant telle année. Mais qui le sait ? Qui le sait ? Parce que la réalité, c'est que je peux pas rentrer dans des détails hyper techniques, mais le système dans lequel on est un système hyper complexe. Beaucoup d'acteurs de nature différente, beaucoup de règles d'interaction de nature différente. Et quand un système augmente en complexité, il est à la fois plus et moins résilient selon comment on regarde le problème. Et c'est hyper subtil. Nos sociétés aujourd'hui sont beaucoup plus vulnérables parce qu'il y a ce qu'on appelle des nœuds ou des attracteurs à l'intérieur du système, comme par exemple certaines grandes entreprises, comme par exemple les bourses, les marchés financiers. Ce sont des lieux où le pouvoir et l'argent et un certain nombre de décisions sont prises et sont captées à cet endroit-là. Et si le problème frappe à cet endroit-là, alors tout le système en dépend et ça fragilise terriblement tout le système. Il peut y avoir des propagations de choc dans le système qui mettent à pied, à terre, rapidement, un système complexe. Mais à l'opposé de ça, un système complexe, c'est aussi un système où il y a tellement d'éléments que la probabilité que le problème pile-poil tombe à cet endroit-là, au nœud névralgique, quelque part, elle est un peu plus faible que s'il n'y avait que trois éléments. Il y en a 36 000. Donc, voilà. Donc, à la fois plus et moins résilient. La dynamique que vont prendre ces choses-là, je ne peux pas le savoir. Personne ne peut. Je vous dis qu'on va avoir une descente énergétique et matérielle dans les prochaines décennies. Ça, j'en suis sûr. Je peux le démontrer autant que c'est démontrable. C'est-à-dire qu'une fois de plus, ce n'est pas une démonstration mathématique stricte. Mais tout ce que je vous ai dit et la littérature scientifique abondante tend à montrer qu'on atteint des limites claires sur ce qu'on est capable d'extraire en énergie et en ressources. Cette descente énergétique et matérielle, comment on la gère ? Bien, pas bien ? Et si ça se transforme en effondrement à tel ou tel endroit, à chaque endroit, ça va prendre une forme différente. À chaque endroit, il y a des problèmes préexistants ou des rapports de force préexistants. Et bien, c'est là que ça va se produire. S'il y a des problèmes interethniques, ça va prendre la forme d'un conflit interethnique. S'il y a des problèmes géostratégiques, c'est géostratégique, c'est un problème de ressources sur l'eau, par exemple, ça va être un problème d'eau, etc. Et tous les analystes vont se planter, tous. Ils vont identifier tel problème comme un problème de ressources, tel problème comme un problème interethnique ou religieux ou ceci ou cela. Ils vont tous passer à côté des fondamentaux. Ils ne verront qu'en surface, comme ça a toujours été le cas. Donc, ça va être différent partout. Et la seule chose que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas en 2100.
Ce sera bien avant 2100. Ça, j'en ai la certitude. Les ordres de grandeur sont tels que la contraction sera beaucoup plus rapide que... Donc, ça, je peux vous dire que c'est pas... Voilà. Et ça va être de votre vivant, en fait. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ça vous concerne. C'est pas, entre guillemets, les générations futures. Mais il n'y a pas de date. Je suis désolé, c'est trop complexe. C'est frustrant, d'ailleurs, de ne pas pouvoir tout modéliser. Moi, je me demande, donc on est de plus en plus à être conscient de la situation urgente. Donc il y a plusieurs petites manifestations comme Extinction Rebellion, le réveil écologique et tout ça, mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à une réelle révolution, c'est-à-dire limite avec des actions violentes pour faire réellement changer les choses, vu que c'est vrai que même si nous on crée des petits, donc si on agit à l'échelle de notre territoire, ce sera jamais suffisant pour changer totalement les choses. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt taper plus haut, donc sur les industries et sur l'État de manière concrète ? Je vous ai dit tout à l'heure, ça ne sert à rien d'essayer de changer le système. Vous n'y arriverez pas, et personne n'arrivera, même les gens qui sont au sommet de ce système. Ils n'en sont finalement que des... eux-mêmes que des pantins. Des pantins qui en retirent beaucoup plus que vous, peut-être, ils ont des intérêts beaucoup plus intéressants, mais ils sont les jouets, leur marge de manœuvre est limitée. Vous ne pouvez pas changer le système, donc il faut changer deux systèmes, il faut créer quelque chose de nouveau, c'est ce que je vous ai dit. C'est en créant une alternative inspirante que vous rendrez le système obsolète. On peut travailler là-dessus, si ça vous fait plaisir, avec des publicitaires. C'est pas mal d'utiliser les codes culturels d'aujourd'hui pour rendre les codes actuels, si vous voulez, pour les rendre... ridicule, démodé, etc. Bon, bref. Le truc, c'est que construire quelque chose en parallèle, ça non plus, ça ne va pas suffire. Il faut le faire, c'est notre seule chance. Mais si on ne stoppe pas en même temps au moins certains trucs du système dominant, c'est voué à l'échec. Donc, en même temps que je vous dis, on ne peut pas changer le système. Pour autant, il y a certaines dimensions de ce système, certaines activités qui sont particulièrement et à l'évidence destructrices, qu'il va falloir stopper. Et là encore, je ne crois pas, mais qu'on me prouve que j'ai tort, hein, allez-y, si vous avez l'étoffe pour vous lancer là-dedans en politique ou autre, faites-le, mais je ne crois pas qu'on puisse demander aux gens de bien vouloir changer, s'il vous plaît. Donc je pense qu'à un moment, il y a une forme de résistance à mettre en place. Contre les activités les plus nuisibles et les plus destructrices. Tout en ayant conscience de nos propres paradoxes. On ne peut pas vouloir dire, nous aujourd'hui en France, on va stopper le pétrole, on va stopper le nucléaire, et vouloir en parallèle garder nos modes de vie. Si on fait ça, eh ben, on revoit considérablement à la baisse la quantité d'énergie dont on dispose pour l'instant. C'est vraiment une autre société. Donc il faut aussi savoir jusqu'où on est prêt à se remettre en question profondément nous-mêmes. Parce que les gens, ils ne veulent plus. Hein. Ils sont dans le paradoxe, volontiers. Dans le beurre et l'argent du beurre. Je veux arrêter ce qui me déplaît, mais je veux garder ce qui me plaît. Ouais, des fois, on ne peut pas. Donc il faut réfléchir. La résistance, il y a plusieurs formes de résistance. Aujourd'hui, c'est très à la mode de dire non-violent. Il faut que ce soit non-violent. Et puis ceux qui sont violents, c'est des extrémistes, quoi, des fanatiques. Bon, mais ça dépend, j'ai envie de dire. Ça dépend, parce que là, il n'y a pas beaucoup de travaux là-dessus, hein, sur ce que c'est que la violence. Donc ce système dans lequel on vit, cette société dans laquelle on vit, est excessivement violente, à pas mal d'égards. On est dans une violence psychologique, humaine, sociale, permanente. Pas tous, mais le français moyen, c'est très difficile. Et donc, qu'il y ait une violence qui s'exprime en réaction à ça, quelque part, moi, je trouve ça normal. Après, il faut voir comment elle s'exprime et dans quel but, évidemment. Moi, je trouve ça, quelque part, compréhensible. Et je ne dis pas, youpi, cassons tout, qui a dit ça ? C'est pas moi. Je dis juste que certaines formes de violence peuvent s'exprimer et peuvent même être constructives. Mais aujourd'hui, on a trois formes de violence. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est un truc connu et reconnu, mais il y a trois formes de violence dans la société. La violence institutionnelle, la violence du peuple en réaction à la première, et la violence...
des forces de l'ordre, la violence en réaction à la seconde. Voilà. Et on considère que la première est normale, que la troisième est normale, mais la deuxième, par contre, elle est montrée du doigt. Bon, il faut peut-être remettre en question nos idées de non-violence et voir comment, effectivement, certaines formes de violence, entre guillemets, en tout cas de colère, d'expression forte de colère et de désobéissance civile et peut-être de résistance. Et quand je dis résistance, je mets un R majuscule. Donc on se replonge dans la Seconde Guerre mondiale. Il y a un moment où il faut se lever. C'était l'image suivante. Il y a un moment où il faut se lever. Dire stop. Hier, c'était devant des tanks, demain peut-être devant un bulldozer. Ou autre chose. Mais il y a un moment où il faut dire stop. Donc, après, je termine là-dessus. Rapidement, je clôture sur ma réponse. On n'est pas tous faits pour la résistance. On n'est pas tous faits pour la résilience. Certains ne feront que l'un ou que l'autre, ou les deux. Certains, malheureusement, c'est ça le problème, ne feront rien du tout. Et c'est bien ça le problème. Parce que le pire, en fait, dans tout ça, c'est l'indifférent. Mais à vous de voir quelle est votre modalité de mobilisation favorite. Une dernière question. Vous parlez donc d'une organisation territoriale, mais de quelle façon cette organisation à une échelle locale peut être compatible avec notre mode global de vie, nos échanges culturels, humains, à l'échelle planétaire ? Échange culturel humain à l'échelle planétaire, tu veux dire, est-ce qu'on va pouvoir garder Internet ? C'est ça ou pas la question ? Enfin, quelque part, en creux. Est-ce qu'on peut, par exemple, en fait, là, à l'échelle locale, tout ne peut pas être produit et donné, ou par exemple, on ne peut pas connaître d'autres mondes. C'est-à-dire, notre mode de transport, d'échange, comment on peut... Bon, ok, je crois percevoir l'interrogation. Le truc est que il va y avoir des discontinuités. Il y a des choses dans lesquelles on a pris goût et qui ne sont plus possibles. Est-ce que ce sera plus possible dans 5 ans ou dans 50 ? J'en sais rien, moi. Mais ce qui est certain, c'est que d'ici quelques décennies, tout le monde ne pourra pas partir en vacances aux Maldives en claquant des doigts comme ça lui plaît. Voilà, point. Et aujourd'hui, ben, on en profite beaucoup et c'est super. Sauf qu'au-delà même de l'impact climatique que ça peut avoir, c'est juste quelque chose qui ne va pas durer. Et quand tu regardes aujourd'hui ce que te disent les gens du secteur aérien sur les prévisions de développement et d'explosion même du secteur aérien dans les prochaines décennies, mais ces gens-là sont hors sol, c'est le cas de le dire, pour de l'aérien. Ils sont hors sol. C'est absurde. Ça n'a aucun sens. Et derrière, on va te justifier ça en te disant « découplage », parce que tel biocarburant machin qui permet de polluer moins, mais non, mais enfin, c'est un crétinisme total. Bon, donc il y a même des ministres qui racontent ça, ils ont certainement beaucoup d'intérêt à raconter ça, mais ça ne marche pas. Donc là, pour le coup, il faut quand même faire une analyse systémique de la chose, ça ne marche pas. Donc il y a un certain nombre de choses sur lesquelles on va devoir faire des croix, les vacances au bout du monde pour tout le monde. Déjà, je vous rappelle que ce n'est pas les 7,8 milliards d'êtres humains qui ont cette possibilité, c'est juste une frange de privilégiés. Et cette frange de privilégiés, aujourd'hui, c'est vous et moi. Je ne le fais plus, pour info. Mais c'est vous et moi. Et demain, ce sera les riches. Et puis après-demain, je ne sais pas quand ce sera exactement, mais ce sera plus personne, ou presque. Voilà. Ou peut-être quelques militaires. Donc, il y a des croix à faire. L'organisation territoriale ne peut pas se faire, ou en tout cas, elle peut se faire que jusqu'à un certain point, en compatibilité avec le modèle existant. Il s'agit bien de construire quelque chose en parallèle. Pas de carrément sauter dans le vide et puis de faire autre chose en abandonnant tout le système. Enfin, si vous voulez vous débrancher complètement, libre à vous. Mais bon courage, quoi. Il s'agit de garder un pied dans le système et puis de mettre un peu un pied dans l'autre, construire autre chose, par tâtonnement, jusqu'au moment où on est suffisamment solide pour faire basculer le centre de gravité et puis finalement venir dans l'autre système. C'est comme ça qu'il faut voir la chose. Et donc, ça se construit en parallèle, collectivement. Il y a des gens qui veulent aller faire de la permaculture dans l'Ardèche. Et ils sont trois potes.
et ils vont monter leur petite ferme autonome, soi-disant. Ils n'y arriveront jamais. Alors, je ne suis pas en train de dire à ces gens, ne le faites pas. Faites-le. Faites-le, vous allez apprendre énormément de choses sur ce qui est possible et aussi sur ce qui ne l'est pas. Et puis sur vous-même. Faites-le. Et ce n'est pas une solution. C'est juste une étape. Une étape pour apprendre plein de choses qui sont utiles. Là, je le répète, la résilience, c'est au niveau territorial qu'elle s'organise et ça, ça prend du temps. Ça prend un réseau de confiance qu'il faut construire. C'est grand minimum 5 ans sur un territoire pour connaître les gens et commencer à les connaître et pouvoir faire des choses ensemble en se faisant confiance. Donc ça ne s'improvise pas, tout ça.